Que Dieu soit loué. Hier, pour ne pas dire avant-hier, le frère Yapi et moi, plus ma femme, nous étions à Ondoussi pour participer aux obsèques de la femme de notre frère Ali Robert. Cela a eu lieu hier matin. Ça a traîné un peu jusqu'à 11 heures. C'est vrai, on a pu parler. Arrivé au village, les villageois ont demandé si il était possible qu'on parle. Bon, j'ai dit à Frère Yapi, écoute, comme les villageois demandent qu'on parle, en toute occasion bonne ou mauvaise, si l'occasion nous est donnée, on peut parler. Paul à l'aréopage a parlé. Donc, vas-y. Là, il dit, non, vas-y. Et vous connaissez bien notre Frère Yapi. Il a apporté quelque chose de très, très, très bien, de très brillant, de très fort pour que ceux qui sont destinés à la vie dans ce village puissent croire. C'est vrai que c'est le village de Cadieux-Pierre. Hein. Il n'y a pas d'église là-bas. C'est le village de Cadieux-Pierre. Et comme la route là, il y a 6 km, mais c'est très mauvais, et les gens agressent. Alors qu'alors on était là, Cadieux-Pierre nous a approché, dit, mais ici, la route n'est pas bonne. Hein. Si vous voulez partir, dites-moi, je vais vous faire escorter. On dit bon, ok. Il est parti prendre 3 motos pour nous, 2 devant, 1 derrière, et puis nous escorter jusqu'à Ondoussi. Et puis bon, ben, on est rentré le matin, on est venu. Quand on est arrivé, il est venu nous voir, il dit, mais frères, comme les frères sont aujourd'hui dispersés ici et là, il serait bon qu'on soit ensemble. Pour qu'on compte sur le Seigneur, pour que les choses puissent s'arranger. Et comme le dit Philippiens 3, je dis que Dieu te bénisse. Mais tu sais, si je te parle aujourd'hui, c'est parce que tu es tenu sur tes pieds pour dire aux gens que tu reconnais Abraham n'est pas incrédule. Comme tu l'as dit, alors je peux parler avec toi. Alors écoute-moi bien. Il n'y a pas d'association, de rencontre sans la vérité. Tout doit se faire sur la base de la vérité. Aujourd'hui, suite cet enseignement-là, telle personne à ce côté-ci, cette personne à ce côté-ci, cette personne à ce côté-ci, comment tu vas les réunir ensemble? C'est pas, on est là pour faire une association d'hommes. On est ici, là. On a quitté l'Assemblée de Dieu, baptiste, méthodiste, catholique, pour être ici, là. C'est tout à fait la vérité. Hein. Si c'est pour faire la même chose, là, ça ne marchera pas. Donc, il ne faut pas rêver. Il faut laisser ça tomber. Et puis, on a laissé les parties. Nous, on est resté avec les parents jusqu'aux obsèques. Quand on partait encore au cimetière, les gens ont voulu faire un peu de simagrée avec le cercueil parce que le corbien n'est pas venu chercher le cercueil. Pourquoi on a eu au cimetière, les gens ont plus le corbien. Ils veulent faire des simagrées. Je leur ai dit, c'est pas possible que vous fassiez ça. Il y a un qui s'est fâché contre moi. Il dit, mais tu ne me connais même pas. Tu ne sais même pas qui je suis. Ton cercueil ne va pas me dépasser. Là où je suis, ton cercueil ne peut pas me dépasser. Si vous faites sorcellerie là, faites votre sorcellerie, mais le cercueil ne peut pas me dépasser. Vous irez au cimetière avec. Vous n'irez pas au village. Il dit, bon, il doit revenir au village pour dire, non, ça ne passera pas. Allez-y. Ils vont jusqu'à j'avance. Quand ils vont, moi j'avance où? Quand ils arrivent là, ça tourne, car ça conduit, on va au cimetière. Il ne peut pas me dépasser. Quand on est arrivé au cimetière, il a dit, vous savez, vous avez déshonoré tout le monde. Cette femme-là, c'est vrai, c'est la femme d'un serviteur de Dieu que vous connaissez bien. Vous faites ce qui n'est pas bien. Vous faites ce qui est mauvais. Vous devez vous ressaisir. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Vous avez trouvé un moyen, comme le copain n'est pas, vous avez trouvé un moyen pour faire croire que c'est le cercueil qui danse. Ne jouez pas. Arrêtez ça. Déposez-moi le cercueil rapidement. On dit, on ne peut pas le déposer, soit on ne dépose pas. J'ai déposé le cercueil. Ils l'ont déposé. Prenez, on va partir. Ils ont pris, en même temps, on est rentré au cimetière. Et puis, ils l'ont déposé. Je parlais un peu. Et puis, il a dit, enterré. Heureusement qu'on était là, parce que les enfants étaient très, très affectés. C'est vrai, leur père est décédé
Dans les années 2000, je crois, si je ne me trompe pas, 2004-2005, c'est après la libération, autour de 2008, je crois, un truc comme ça. 2008, je crois, ça. Et puis là, c'est leur père qui part. Bon, j'ai prévu de leur parler une fois encore, vous leur dire, écoutez, ouais, dans quelles conditions votre maman est décédée, hein? Elle n'a pu rien vous dire. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi passer par là, mais le plus important, c'est de savoir où vous allez passer l'éternité. À vous de choisir. Alors, l'une de ses filles dit, mais papa, moi, je fréquente l'église. Tu fréquentes l'église, c'est une bonne chose, hein? Mais tu ne seras pas dans l'enlèvement. Parce que quiconque veut t'enlever est obligé de croire ce message que Dieu a donné aujourd'hui. Quiconque veut t'enlever là, il est obligé de croire ce que nous croyons aujourd'hui. On ne peut pas croire autre chose peut t'enlever. Même si vous pensez qu'il y a des affaires de Dieu là-bas, au moment d'être enlevé là, ils sont obligés de revenir là. Ils ne pourront pas rester là où ils sont pour croire et être enlevés. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, en étant là-bas jusqu'à l'enlèvement, s'ils ne viennent pas, ils vont faire partie du moins communique. Point final. Ils vont être jugés. Ils vont être condamnés pour rien. À vous de choisir. Hein. Votre père est parti, votre maman vient de partir. Leurs chemins sont séparés. Malheureusement, c'est séparé. À vous de dire, si vous voulez aussi rencontrer votre papa, voir votre papa, mais croyez comme lui. Et ça, en le disant, je le dis aux enfants qui sont là, que nous amenons avec nous, que nous élevons. Et nous voudrons que tous, parents, enfants, mère, nous puissions croire la même chose pour hériter de la vie éternelle. J'ai dû parler aussi avec un jeune homme qui fait souffrir un peu son papa actuellement. Il est en Europe. Et il dit depuis à l'âge de 13 ans, il se posait des questions mais n'a jamais révélé la question à qui que ce soit. Il est en Europe pour ses études. Et là, le problème est tel que maintenant, il hésite à aller à l'église, il se pose des questions. Non, j'ai parlé un peu avec lui. Je l'ai amené à voir seulement qu'il doit ouvrir, il doit s'ouvrir à son père pour que son père puisse l'aider. Parce que si personne ne sait de quoi tu souffres, on ne peut pas te soigner. Pour qu'on puisse t'aider, il faut qu'on sache de quoi tu souffres. Aussi longtemps que tu ne peux pas te dire de quoi tu souffres, ça fait 7 ans que tu cherches la solution, tu ne la trouves pas. Donc tu ne peux pas la trouver seul. Si tu peux la trouver seul, tu l'as déjà reçue. Mais dès lors où tu ne peux pas avoir la réponse seul, ouvre-toi à quelqu'un qui peut t'aider. Je ne suis pas celui qui peut t'aider, ça, sache-le. Le seul capable de t'aider, c'est l'Éternel. Mais pas avec ton papa. Et Frère Franck le dit, quand on a des trucs à régler de ce genre-là, qui sont difficiles, quand notre père est croyant, il est bon qu'on s'ouvre et qu'on parle avec son père. Ton père n'est pas mort, il est encore vivant, c'est un croyant. Il faut que tu parles avec lui. Afin que tu apprennes à connaître ce qui est vrai. Donc, il y a des enfants, et je lui ai dit, je vais te dire une chose qui va te choquer peut-être. Pour moi, tous ceux qui sont nés dans les maisons dont les parents sont des croyants, les enfants ne sont pas des croyants. D'office, ce n'est pas possible. On vous a habitué à aller à l'église. On vous habitue à chanter des cantiques, à écouter la parole de Dieu, à pratiquer aux choses spirituelles. Au point où vous pensez que vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas encore des chrétiens. Autant, aussi longtemps que vous n'avez pas fait une expérience personnelle avec votre Dieu, vous n'êtes pas chrétien. Et chez Dieu, il n'y a pas de petit enfant. Votre père, votre mère a cru ou ont cru, mais toi, tu n'as pas encore cru. Jusqu'à ce que Dieu te touche personnellement. Autrement, tu ne l'es pas chrétien. Tu as appris à aller à l'église et maintenant tu es dans des problèmes d'adolescence et tout. Mais pas là, ton papa, pour que Dieu puisse t'aider. Donc j'ai prié avec lui hier. Il m'a promis qu'il va parler à son papa. Il va s'ouvrir à son papa pour que son papa puisse l'aider. Pensez aussi à lui. Je n'ose pas dire son nom ici, c'est vrai. Mais pensez à lui, priez pour lui. Il y a un frère qui est là, non? C'est toi? Donnez-le le micro qui se présente au moins et qui vous salue. Shalom, épouse de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le frère Israël. Je viens de Tamenac, la voie de la résurrection. Du Bénin.
avec le pasteur Roland. Donc, je suis venu ici il n'y a pas longtemps. Ça fait déjà 7 mois que je suis en Côte d'Ivoire. Ce sont les activités qui m'ont amené ici dans mon domaine de l'informatique, développeur web. Donc, quand je suis venu, je suis dans la cité Sipim 4 à Riviera, Palmeret. Donc, j'allais chez le pasteur Isso. Voilà, voilà la distance. Mon frère qui m'a amené ici en Côte d'Ivoire, il m'a donné le numéro d'une sœur. Il m'a dit qu'il y avait une église du message qui se trouvait dans les environs de Palmeret. Donc, c'est là que j'ai appelé la sœur aujourd'hui. Et puis, je suis venu ici. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, nous sommes ici, c'est vrai. Je connais le Bénin, mais le frère dont tu parles, je ne le connais pas. Je connais Awansé Rigobert, qui est très vieux dans ce message-là. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il croit aujourd'hui. Il y a tellement d'orientation aujourd'hui que... Esso, c'est un jeune homme qui est venu très tard dans le message. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Le papa d'Esso fait partie des premières personnes qui ont reçu le message à ce qu'ainsi. Les toutes premières personnes, avec les frères Lambert, les frères Clément, les frères Nago, et dans une prophétie, le Seigneur a dit, de ce qu'ainsi, il va répandre le message sur toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ainsi que le message a atterri au milieu des assemblées de Dieu. Lambert a commencé à aller à l'école pastorale, vous savez en quelle année? Qui sait? En 67, Lambert était à l'école pastorale. En 65 déjà, il enseignait. Donc vous voyez, moi je vais vous dire, en 67, j'étais au CM1. Donc le frère Lambert, vous voyez là, on lui doit beaucoup de respect. Beaucoup, beaucoup de respect. Comme j'aimais dire aux frères de la zone du sud-ouest, j'ai dit, vous êtes tous le fruit de la foi de notre frère Jérôme. Que vous le voulez ou ne le voulez pas, ça vous regarde. Mais moi, je peux vous le dire, parce que quand on venait ici, là, il n'y avait même pas d'église à San Pedro. C'était à ce GB. Il n'y avait pas beaucoup de frères. Et sa femme que vous voyez, qui est décédée, maintenant, c'est la première femme qui est décédée. Et vous savez, cette dame-là, quand elle apprend qu'on arrive, elle ne dort pas. Elle a fait de faire la cuisine, mais elle garde. Elle veille jusqu'à ce qu'on arrive. On arrive là-bas généralement à 1h du matin. À 1h du matin, elle va apprêter le repas. On mange d'abord avant que cette dame aille se coucher pour se lever à 5h du matin pour se préparer pour nous, pour qu'on se lève et qu'on puisse aller tourner pour voir des frères jusqu'à revenir. Et on quitte dimanche là-bas autour de 16h. C'est à 1h du matin qu'on arrive à Abidjan. Donc Lambert, c'est un vieux frère dans ce message. Ceux qui ont reçu le message dans ces années 72, comprenez déjà ça, 72 en ce temps-là, avec le frère Baranowski, le frère Barillier, le frère Franck, qui est venu aussi en décembre 76, en 72, où ils ont fait la photo, la première photo, en 2008, quand j'ai montré à frère Franck à l'hôtel qui est au plateau, maintenant, comment on appelle ça, Pullman aujourd'hui, ce jour, il a failli pleurer. C'est Jean Lambert qui a enlevé la photo, parce que il voit sa jeunesse, il voit son fils qui ne le fréquente plus aujourd'hui. Donc, je connais bien le Bénin, mais le frère dont tu parles, peut-être, je ne sais pas quand il est venu, ça je ne le connais pas. Et j'ai été à plusieurs reprises au Bénin. J'étais au Bénin dans l'année. On y est parti la première année en 2003. On est passé à Chosanwe. Vous connaissez les frères de Chosanwe qui sont derrière dans la presqu'île là. Vous savez qu'au Bénin, il y a les maisons sous pilotis. Ça, c'est chez toi. Je ne t'apprends pas ça. Bon, sous pilotis, il y a beaucoup de maisons et il y a une île qu'on appelle Sochanwe, sur laquelle il y a une grande église des frères du message. Là, j'y ai été avec les frères Béji Stanislas, le frère Badou qui vient ici, et on a été à Sochanwe. Ce jour-là, je n'ai pas prêché là-bas, c'est Béji qui a prêché. Et comme j'avais l'habitude de vous dire, ce jour-là, on serait venu avec un corps mort si Dieu ne t'a pas fait grâce.
C'est vrai. Et puis après 2003, 2002, 2003, toute l'année 2000, non, 2004, toute l'année 2004, 2005, j'étais régulièrement là-bas. Et puis après, bon, depuis un certain temps, je suis plus parti. Donc on a fait le Togo, le Bénin et le Ghana régulièrement. Dans ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de pouvoir retourner voir le frère T du Ghana. Que Dieu soit loué. Voilà. Sois bon arrivé pour que, bon, ben, tu juges à toi-même. Hein? À toi-même de juger. Tu sais, là, tu parles de distance, mais il n'y a pas de distance qui puisse empêcher un enfant de Dieu d'aller où il doit aller. Ça, il faut qu'on le sache. Faut pas que les distances nous bloquent. Bref, avant d'aborder proprement ce dont nous allons parler ce matin, que je vous ai promis, on va lire quelques éléments de Frère Franck dans les rencontres, les résumés des rencontres des fins de mois là, ou des débuts de mois. On va prier d'abord. Notre Père Céleste, nous voici réunis ce matin encore par ta grâce et te supplions d'accomplir ce que tu as toujours accompli au milieu des croyants, à savoir être présent, consolant, délivrant, guérissant, parlant, instruisant, notre Dieu. Ce matin, nous abandonnons complètement dans tes mains. Que ces lèvres qui vont parler soient circoncis, que les cœurs qui vont écouter soient circoncis, les yeux soient circoncis, afin que, Seigneur Père Tout-Puissant, nous puissions recevoir de toi ce qui nous est utile pour le temps dans lequel nous sommes. C'est vrai. La semaine dernière, c'était la fin où les gens parlaient de la Pâque et beaucoup d'activités de Pâques. Mais nous savons que les hommes sont retombés dans leurs habitudes. Nous voulons rester fidèles à toi. Nous ne voulons pas avoir des habitudes, mais nous voulons avoir ce que les apôtres ont fait autrefois. Marcher, vivre, obéir, observer tes commandements et pratiquer tes ordonnances. Sachant que depuis que Golgotha a eu lieu, il y a une nouvelle vie qui a été donnée aux enfants de Dieu. Gloire à toi seul Père. Bénis-nous ce matin et sois présent en notre sein, en relevant les malades, en les guérissant complètement, totalement, et en consolant les affligés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pensais que mon frère allait aussi parler, il parle pas. C'est de toi que je parle. J'ai oublié ton nom, c'est pour ça que je ne dis pas. Massa Evelyne, comment il s'appelle ton frère? Il se cache? On s'est parlé au funeste de maman, non? D'accord. Tu as vu que Dieu fait des miracles, hein? C'est ça, non? Ça, ce n'est rien par rapport au salut. Donc, il faut être bien assis. Maintenant, le fait d'être bien assis. Il ne faut plus te laisser balloter à tout vent de doctrine. C'est important. Les doctrines étrangères, là, amènent très loin. Hein? Oh, beaucoup ne savent pas. Il avait un problème de cœur et Dieu l'a complètement guéri. Bon. Lisons, je vais lire dans le résumé des rencontres des années 2004. Y a une chose que Frère Frank a dit qui est assez importante pour moi. C'est parmi dans le résumé de mai 2004. J'ai demandé à Thierry de voir si je peux avoir les autres résumés pour regarder. Il y a des choses assez importantes qu'on peut extraire pour nous aider à marcher. Vous savez, la première fois où j'ai commencé ça au Koweït, des frères, des sœurs plutôt avaient fait un songe me voyant en train de lire des écrits de Frère Franck. Ils ne savaient pas que ce même jour-là, ça devait arriver. Et le frère Ali Léon, qui n'est pas là, ce jour-là, a fait aussi un songe voyant que c'était Frère Franck même qui était arrêté en chaire, donnant des instructions. Et quand je suis arrivé le matin, j'ai commencé, il a dit, ah, Dieu est en train de travailler au milieu de nous. Alors, voilà ce qui est écrit ici. Bien-aimés frères, spécialement vous frères,
qui avait un ministère. Je le lis parce que nous ne sommes pas les seuls. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup qui nous écoutent également en ligne. S'il vous plaît, je vous en prie, comprenez, vous ne pouvez pas prendre une écriture seule, toute seule et en faire quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre une seule écriture et cinq citations pour en faire une doctrine. Vous devez aller d'écriture en écriture, de citation en citation. S'il vous plaît, ne prenez plus jamais une citation en dehors de son contexte. Ne faites pas d'étranges doctrines avec cela. Toute doctrine venue après que Frère Branham ait été repris pour être avec le Seigneur est plus que certainement l'interprétation d'un homme. Toute doctrine qu'on peut avoir soulevée à, ou découverte après que Dieu ait repris Frère Branham ne vient pas de Dieu. En un mot, c'est quelque chose que quelqu'un fabrique. Parce que tout ce que Dieu devait révéler pour notre temps a été donné à son serviteur. Pour ce qui concerne les enfants de Dieu, pour ce temps de la fin-là, tout ce qui est bon, caché auparavant, inconnu, Dieu, dans sa grande bonté, nous les a révélés par la bouche de son serviteur. De sorte que tout ce qui est étrange par rapport à ce qui a été donné auparavant ne doit pas être pris en considération. Il n'y a eu personne sur terre pour traiter avec les Saintes Écritures après que Frère Branham eut quitté cette scène. Il faut que ça soit assez précis pour chacun de nous. Il n'y a plus un autre homme sur terre avec qui Dieu a traité des Écritures quand Frère Branham est parti. En même temps, nous devons placer toutes choses, chaque déclaration faite par Frère Branham dans le cadre de l'Écriture sainte. Si vous ne le faites pas, vous partirez avec des déclarations prises hors de son contexte et vous en ferez une nouvelle doctrine. Je le répète, toute doctrine venue après que Frère Branham ait été repris pour être avec le Seigneur est la même chose que tout enseignement venu tout au long des âges des églises, de l'histoire de l'église et avait commencé au 3e et au 4e siècle. Tous les dogmes et tous les enseignements ont été ajoutés. Et c'est la même chose avec chaque interprétation à l'intérieur du message. Il y a un qui l'a dit, qui est assez corsé. Je ne sais pas si je le lis. Je vais le lire ici d'abord. Ça, c'est la page 27. C'est celui de novembre 2003. Je veux que vous sachiez, vous tous les frères et sœurs du monde entier, il n'y a aucun autre homme sur terre qui estime plus Frère Branham que moi. Je l'ai connu personnellement pendant 10 ans. J'étais dans ses réunions en Europe, aux États-Unis. Mais je dois rejeter toutes ces tromperies. Des frères mettent de côté les Écritures saintes et utilisent uniquement les déclarations de Frère Branham. Et c'est là que Satan vous éloigne de la parole. Et alors vous pouvez interpréter ce que vous souhaitez. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas. Et ce qu'il a dit ici est assez important. N'oubliez pas, Dieu vous jugera. Dieu jugera n'importe quelle personne qui ne va pas demeurer dans les Saintes Écritures, mais qui va aller prendre une interprétation, une citation. Ce n'est pas seulement de Frère Branham, même de Frère Franck. Ce n'est pas seulement de Frère Branham, même de Frère Franck. Si quelqu'un va s'asseoir sur une citation seulement de Frère Franck, pour en faire une doctrine, il va être jugé aussi. De même que ceux qui s'assiedent sur les citations de Frère Branham, sans aller dans les Écritures
pour en chercher le fondement. Parce qu'il y en a qui disent, il ne peut pas ramener tout aux Écritures. Ce qui est dit, il prend ça comme ça. Nous, on dit, on ramène tout aux Écritures. Ça fait beaucoup d'histoires. Moi, je ramène tout aux Écritures. La Bible est mon absolu, comme il est l'absolu de Frère Branham, comme il a été l'absolu de Frère Franck. Donc, qui comprend les déclarations de Frère Franck pour en faire des doctrines, il doit savoir qu'il sera jugé par le Seigneur. L'Écriture sainte ne doit pas être interprétée de manière privée, spécialement la parole prophétique d'un ministère ne doit pas être l'objet d'interprétation particulière. Elle doit être comprise et placée à l'intérieur de la parole de Dieu. Et chaque parole de Dieu doit rester là où elle se trouve, telle qu'elle est écrite. Amen. Ce n'était pas précis que cela doit pouvoir aider chaque frère et chaque sœur à rester fidèle au Seigneur. Je lirai aussi quelque chose d'autre à la page, c'est pas 22, non 23 je crois. C'est la page 22, page 22. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, en toute humilité, que Dieu a un ordre divin dans son Église. Amen. Dieu a un ordre divin dans son Église. Dans son Église à lui, hein, dans l'Église du Dieu vivant là, il y a un ordre divin que Dieu a établi. Maintenant, ceux qui ont créé leur Église à eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur Église. Mais dans ce qui concerne l'Église du Dieu vivant, l'Église de Dieu qui est le corps de Christ, il y a un ordre que Dieu a établi lui-même. Ce n'est pas un homme qui l'a établi, c'est Dieu-même qui l'a établi. Et qu'il a placé différents ministères dans le corps de Christ. Et que nous devons réaliser aujourd'hui la plénitude des cinq ministères. Aujourd'hui, il est normal, il est clair que dans l'Église, dans le corps de Christ, les cinq ministères doivent opérer. Malheureusement, je le dis à notre nom dans le message, il n'y a que des pasteurs. Ça, on me combat, mais je le dirai. Je ne crois pas qu'un seul ministère va amener des gens à l'enlèvement. Il faut l'exercice des cinq ministères. Parce que les cinq ministères ont des manières différentes. Les apôtres, un apôtre ne prêchera pas comme un prophète. Il ne prêchera pas comme un évangéliste, ni comme un docteur. Non. Si Dieu a placé cinq ministères dans son corps, les cinq ministères doivent être opérants dans son corps. Un pasteur ne fera pas comme un évangéliste, comme un docteur, comme un apôtre, comme un prophète. Ce n'est pas possible. Alors quand on arrive ici, le pasteur tend, on arrive sur le pasteur tend, on arrive sur le... Je leur demande, vous êtes pasteur dénominationnel ou Dieu vous a dit, vous êtes seulement pasteur. Ça pose problème. Et c'est le pasteur qui est le patron de l'Église. Quand il n'est pas là, il n'y a plus de personne qui peut agir dans l'Église. C'est lui seul qui prend les décisions. S'il n'est pas là, il n'y a pas de décision à prendre. On ne peut rien faire. Mais c'est compliqué. C'est difficile. Qu'on revienne à la Bible. Qu'on revienne comment dans la Bible les églises ont fonctionné. Qu'on revienne, frère. Parce que le message a pour objectif de nous retourner à la foi de nos pères apostoliques. Si je me trompe, dites-le moi. Le message là, l'ordre que le Seigneur a donné à Frère Branham, c'est ce message doit précéder la seconde venue de Christ. Si on va dans Malachie 4, il retourne nos cœurs au cœur de nos pères apostoliques. En d'autres termes, nous retournons complètement à ce que les apôtres ont cru. Comment ils ont gouverné, ils ont conduit l'Église, comment ils ont opéré. C'est ça le message. Le message prend la domination d'une seule personne qui s'accapare également de toute la dîme, de toutes les offrandes. Il ne s'agit pas d'en parler, mais d'en avoir leur confirmation dans la réalité.
Il n'est pas question de dire, je suis pasteur, ce n'est pas ça qui est important. Mais il faut que Dieu confirme que tu es vraiment le pasteur, comme tu dis. Si tu dis que tu es évangéliste, aujourd'hui, c'est donner un titre. Il y en a qui ont sur leur carte d'identité, dans leur passeport, pasteur. Donc c'est, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un métier. Voilà, c'est un métier. On prend la carte d'identité. Quelle est ta profession? Pasteur. On le paie parce qu'il est pasteur. Aujourd'hui, ça est dans les religions là. Regardez les pancartes là, où j'ai dit c'est la foi d'un fonds de commerce pour les gens qui veulent gagner de l'argent. Prophète sans avec sa femme. Quand il est prophète, sa femme est évangéliste, mais il est quoi? Prophétesse. Vous allez finir de faire la même chose. Apparemment. Dans un village, un groupe de... Non, ça c'est les, je crois que c'est les méthodistes. Quand ils sont arrivés là, pentecôtistes plutôt, maman pasteur, papa pasteur, maman pasteur ne fait rien. Elle ne va pas chercher de l'eau, elle ne va pas chercher du bois, elle ne fait pas la cuisine. Les soeurs de l'église, les filles de l'église sont là pour aller chercher du fagot, du bois, de l'eau, faire le marché, venir préparer. Et puis, moi, je t'attends, maman, pasteur, papa, pasteur, vient de s'asseoir manger. Que Dieu nous aide à faire qu'on n'en arrive pas là. À nouveau, l'Écriture dit, Dieu a placé dans son église des ministères. Ce sont des hommes qui ont décidé. Ce ne sont pas des hommes qui ont décidé de faire partie de tel ou de tel ministère. Qui me comprend? Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé d'avoir tel ministère. C'est Dieu, pas des hommes qui ont décidé. C'est Dieu qui appelle. C'est le Seigneur qui place. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas placé, ne t'en fais pas. Tu vas causer plus de dégâts que de bien. J'ai voulu qu'on lise ces choses pour nous aider à comprendre que nous sommes arrivés à un temps où une chose doit prédominer au milieu de nous. Parmi le peuple de Dieu, c'est uniquement ce que la Bible déclare. Et c'est important. C'est tellement important que nous restions attachés à la vérité. Et seulement à la vérité. Que Dieu nous bénisse. Lesquelles déjà? Les 10h48. On va se lever. Ensemble. Je vais avec vous lire quelques passages qui vont servir de base. On va lire dans Zacharie 3, verset 8, et Isaïe 8, verset 18, je crois. Nous prenons Zacharie 3, verset 8. Zacharie, chapitre 3, verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Et puis dans Ésaïe 8, dans Ésaïe chapitre 8, le verset 18, on lirait un peu plus... Je l'ai pas dit, verset 18. On va lire le verset 18 seulement. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen.
Seigneur, nous voici en face de ta parole. Nous l'avons lu, mais quand tu as dit qu'on sait le contenu, toi tu peux le révéler et nous donner la leçon qu'il faut. Ce matin, nous comptons sur toi. Parle-nous et instruis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous ai dit que je parlerai sur un signe. Mais vous savez déjà que Frère Manu a parlé sur le signe dans deux prédications complètement différentes. Quand il parlait sur le signe, il a dit le signe. Quand on dit le, c'est unique. Il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un seul. Quand vous prenez le premier Exode, avec la sortie de l'Égypte, le Seigneur avait donné un signe. Pas les deux signes de Moïse, mais il a donné un signe. L'unique signe que Dieu a donné, c'était le sang. Le seul signe que Dieu a donné pour protéger le peuple de Dieu, c'était le sang. Oh, quelqu'un pouvait dire, moi je suis descendant d'Abraham, je suis de la postérité d'Abraham, qu'est-ce que j'ai à faire avec ce sang? Moïse, qu'est-ce que tu apportes là? Dieu a parlé à notre père Abraham. Il dit, le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Je suis un juif, je suis un hébreu de la postérité d'Abraham. Maintenant, en regardant peut-être dans la descendance, en prenant parler de Jacob, peut-être celui de Issachar, de Judas, de Gad, de Ruben, de Simeon. Mais je suis de la descendance d'Abraham. Je fais partie de la descendance des 12 patriarches. Moïse. Oh, ça ne me concerne pas. Je suis hébreu. Si la personne ne se met pas sur ce signe, il sera classé au même titre que les Égyptiens. Parce que Dieu a dit à Moïse qu'ils mettent sur le linteau et sur le porte le sang. Quand je verrai le sang, je passerai outre. Je ne frapperai pas cette maison-là. Tous ceux qui y sont, tous les premiers-nés sont vivants. Mais si quelqu'un qui dit, moi, je suis de la postérité d'Abraham, je suis de la descendance de Jacob, je n'ai rien à faire avec ça, il est certain que cette nuit-là, tous les premiers-nés qui sont sous ce toit mourraient. Aucun ne vivrait. Parce que Dieu a donné un ordre. Et ça doit être exécuté. Quand Dieu parle, on doit le prendre au mot. Et on doit l'exécuter comme Dieu le veut. Ainsi, tous ceux qui, dans cette zone de Goshen, en Égypte, ont reçu le message que Moïse a donné, sont tous mis sous le signe. Il n'y a pas de désastre dans leur maison. Même si un Égyptien venait à imiter, en immolant lui aussi un jeune agneau et qui mettait le sang, là il ne ferait pas de différence, hein. C'est le même sang. Il passait outre. Mais quand ce n'est pas pour eux, il ne peut pas comprendre ce que c'est. Ils étaient surpris seulement de voir, mais qu'est-ce qui arrive à ces juifs-là, ces esclaves-là? On les a tellement maltraités que maintenant, ils sont obligés de mettre du sang sur leur peau pour se reconnaître. Il pourrait se poser la question. Vous pouvez demander, mais mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes obligé de mettre des marques sur votre porte maintenant? C'est trop sale ça. Du sang partout. Vous ne pouvez pas que vous mettez le sang, ça sent. Et vous êtes obligé de mettre du sang sur votre porte, sur le linteau de votre porte. Alors, il pourrait lui dire, notre Dieu nous a dit de mettre ça sur notre porte. Et c'est un signe pour lui. Pour nous protéger. Et dire, oh, depuis quand est-ce qu'un sang a permis de protéger quelqu'un? Maintenant, Dieu nous a dit que c'est comme ça qu'il va se lever à nous protéger. Et cette nuit-là, tous ceux qui n'avaient pas le sang sur leur linteau de leur porte, sur leur poteau, les premiers-nés de leur maison ont été frappés quand le destructeur est passé. Aucun n'a survécu. N'est-ce pas? Et Frère Branham prêchant sur le signe
a dit qu'aujourd'hui, le signe absolu, nécessairement absolu, ce n'est pas le baptême d'eau. Ce n'est pas le fait de donner un message. Ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas le fait de donner un message. Ce n'est pas le fait de mettre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. Il dit le signe unique et absolu, c'est le baptême du Saint-Esprit de façon authentique. Quiconque n'a pas ça, verra bien plus tard ce qui se passera. Quand le moment de la grande tribulation viendra, il saura bien ce que c'est. C'est pour ça que, frère, aujourd'hui, avant d'arriver à ce que nous allons dire tout à l'heure, restons un peu sur ça. Sur ce que frère m'a dit, le signe. Frère, nous sommes assis ici, c'est bien. Vous voyez, il fait chaud, tout ça. Même si on nous mettait des climatiseurs ici en place, c'est bien. On serait bien à l'aise, écoutant, lisant, chantant de beaux cantiques. Peut-être ça dérange un peu par moi les voisins, peut-être. Mais il y a une seule chose qui est importante. Le signe. Le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est trop resté attaché au fait d'être au message. Ça ne sauve pas. Je le répéterai en longueur de journée et à chaque fois que nous allons nous réunir. Si ça devait aider, il n'aurait pas eu aujourd'hui tant de direction dans le message. C'est le même message que nous lisons, comme c'est la même Bible que tout le monde lisait avant. Autant le Saint-Esprit sur la terre, c'est la même Bible que les pharisiens, les sadduciens, les énélistes, les docteurs lisaient, mais ne la comprenaient pas. Pourquoi aujourd'hui encore, nous aussi, le même message qui a été prêché, nous ne le comprenons pas? Parce que l'esprit qui est derrière ce message-là, nous ne l'avons pas. L'esprit qui a apporté ce message-là, si tu l'as, il ouvre ta pensée. Permettant de vous lire une chose dans Luc 9 que je lisais. J'ai dit, mais vous voyez, prenons Luc 9, verset 44. Luc chapitre 9, verset 44. Pour prendre la compréhension que des problèmes de compréhension. Prenez, dans Luc 9, verset 45, il dit ceci. Pour vous écouter, c'est le seul qui parle à ses disciples. Pour vous écouter, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Point. Voilà ce que le Seigneur a dit. Mais regardez là le commentaire au verset 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Aujourd'hui, on peut comprendre parce que c'est accompli. Mais en ce temps-là, ce n'était pas encore accompli. Ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens et qu'ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Frère, aujourd'hui, nous, on le lit, on comprend. Mais en ce temps-là, le maître lui-même était au milieu d'eux. Il a prononcé cette parole seulement, mais les types n'ont rien compris. C'est pour ça que, quand on était à Kouré, Frère Badou nous a fait voir comment ça s'est passé ce jour-là, de vendredi, de samedi. Quand samedi est arrivé, dimanche matin est arrivé, quand les femmes sont parties à la tombe et qu'elles ont trouvé les choses telles que c'est, 2 ans, ils leur ont parlé. Elles sont venues raconter ça aux disciples. Elles, ils n'ont pas cru. Pourtant, le Seigneur leur avait dit auparavant. Frère, aussi longtemps que l'esprit qui part de la part de Dieu n'est pas avec vous, vous ne comprendrez pas. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas comprendre. Frère, si aujourd'hui, il y a tellement de divergences dans ce message, c'est parce que l'esprit qui a conduit son serviteur à parler, à apporter ce message-là, n'est pas à nous. C'est tout simple. Hein? Ne vous faites pas d'illusions. Frère, ne vous faites pas d'illusions. Lorsque vous aurez cet esprit,
vous comprendrez de la même manière que tous ceux qui ont le même esprit. Quand c'est faux, vous avez quelque chose en vous qui dit non, c'est pas vrai. Vous ne faites pas d'effort. En vous, quelque chose dit c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas être séduit. Le peuple de Dieu ne peut pas être séduit. Mes brebis connaissent ma voix. Il ne peut pas suivre un étranger. Les brebis du Seigneur connaissent la voix du berger. Ce sont les frères, depuis qu'ils sont brebis, ils ont pris l'habitude d'entendre cette voix-là. De sorte que toute imitation ne les intéresse pas du tout. En eux, la voix était déjà enregistrée. Souvent, il y a des personnes qui m'appellent et puis je dis leur nom. Ils disent, mes frères, je dis, mais ta voix-là, je l'ai enregistrée, je la connais. Même que quand je dors, si tu m'appelles, il me lève, je connais ta voix. Il ne faut pas t'en faire. Ainsi, frère, aujourd'hui, si on a tant de problèmes dans ce message, en matière de compréhension, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, on peut aller au nord, au sud. Ne nous en faisons pas. Il y a un élément qui manque. Est-ce que l'esprit qui a apporté ce message-là, nous l'avons? Est-ce que celui qui nous parle, il a le même esprit que celui qui a parlé à travers Branham? Et moi qui écoute, est-ce que j'ai le même esprit que lui? C'est pour ça que, frère, le signe absolu, l'élément absolu pour les enfants de Dieu à cette fin des temps, frère, ne vous contentez pas d'être au message. Ça ne vous sauvera pas. Je le répéterai en longueur de journée. Ça ne vous amènera nulle part. Le message doit vous conduire complètement à Christ. Et à Christ, vous devez avoir l'Esprit de Dieu. Vous devez rester là jusqu'à ce que le Saint-Esprit s'empare de vous. Alors, quelqu'un dit, mais frère, tu nous envoies loin. Non, je ne vous envoie pas loin. Son fils de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Son fils de Dieu, ne sont fils de Dieu, je prenais ça dans cette forme-là, ne sont fils de Dieu que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est vrai, non? Ne sont fils de Dieu que ceux qui sont condamnés. Et c'est vrai. Il faut l'avoir pour être fils de Dieu. Aujourd'hui, on fait des fils et des filles de Dieu. Et comme on a toujours lu, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas encore un chrétien. Ça choque les gens souvent quand tu dis ça. Mais être un chrétien, c'est être quoi? En réalité, un chrétien est celui qui est comme Christ. Il parle comme Christ, il vit comme Christ, il agit comme Christ, il pense comme Christ, il aime comme Christ. En d'autres termes, ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit sa vie en lui. C'est pour ça qu'on a reconnu les croyants d'Antioche comme des chrétiens. Ils sont disciples de Christ. On les reconnaît pour avoir été avec Christ. Leur langage les trompe, leur vie les trompe. Aujourd'hui, prends 3, 4, 5, 6 frères qui croient un message. Un n'a qu'à venir d'ici, de tel pays, de tel pays, de... Mettez-les ensemble, mettez un problème. Mettez un problème biblique devant sa table. Vous allez vous rendre compte que la compréhension de ce problème-là va être différente. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Devant un problème biblique, tous ceux qui ont le Saint-Esprit auront la même compréhension. Il n'y a pas deux manières de comprendre. Qu'ils soient chinois, indiens, japonais, américains, allemands, français ou anglais ou quoi d'autre, ils ont la même compréhension. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. C'est pour ça que frère Abraham dit, frère M dit aussi que là où il y a des disputes, là où les gens se font la guerre, des querelles sur des choses, il y a différents esprits qui fonctionnent là. Parce que quand le même esprit, quand on a le Saint-Esprit, on voit tout de la même manière. On voit tout de la même manière. Que Dieu nous aide. Je n'ai pas encore abordé mon sujet
un signe. Mais je parle du signe parce que c'est important. Un signe dont je parle là, quand on va rentrer dedans, vous allez voir à quoi ça sert d'avoir un signe. Tout à l'heure, on a lu Esaïe, on a lu Zacharie. Toi, le souverain sacrificateur, et ceux qui sont assis devant toi là, vous tous réunis, vous allez servir de signe à toute la population. Alors, à quoi sert un signe? Au temps d'Exode, il dit, je veux le signe et je passerai outre. Si je vois le signe, c'est un indicateur pour lui. Le Dieu Tout-Puissant vous donne un moyen d'indicateur pour que vous soyez protégé. C'est comme si aujourd'hui, je prends ma voiture, je vais aller à Yamoussoukro. J'aurai beaucoup de panneaux de signalisation sur la route. C'est faux. Il y a le feu de tricolore qui me dit, vert, tu peux passer. Au Ghana, tu passes au vert, l'orange, tu dois t'arrêter. En Côte d'Ivoire, dans la zone anglophone, francophone, on dit orange, tu peux passer. Mais au Ghana, il ne faut pas passer. Hein. C'est pour te prévenir que le rouge arrive. Donc arrête-toi en même temps. On me racontait une histoire comme ça que il y a un Ivoirien qui est parti au Ghana. Quand le feu est passé orange, fiap, il est passé. Les gens ont sifflé, il ne s'est pas arrêté. Or, les policiers étaient connectés à quelques kilomètres là-bas, on l'a arrêté. Chez eux, il n'y a pas de commissaire, on t'envoie directement au tribunal. Dans ton infraction, ou chez eux, comme ça règle. Ça, mais aux États-Unis, comme ça se règle, dans la zone anglophone. Donc, on l'envoie au tribunal, on fait le papier, il doit payer l'amende. Ok, mais ce n'est pas ici qu'il doit payer l'amende. Celui qui doit aller payer l'amende, il doit aller payer l'amende à près de 600 kilomètres. Donc, il retourne aller là où il doit payer l'amende. Il arrive là-bas. Vous me regardez, vous tous. Il n'a pas payé plus de 1000 francs. Il fait 600 kilomètres. Pour aller là-bas, il s'aligne en plus. Il perd du temps. Et puis, quand on lui donne son papier, il ne paye même pas plus de 1000 francs. Vous savez ce que ça veut dire? On attend de le formater. Formater sa mentalité pour te dire, pour aller payer peut-être 600 francs ou 700 francs, tu as fait plus de 600 kilomètres. Tu as perdu du temps, du carburant, de l'énergie. Demain, tu ne vas plus t'engager à faire ça. C'est comme si moi, j'ai commis la faute ici et puis je dois aller payer l'amende à Korogo ou à Ferke. Je cours, j'arrive à Ferke, je suis encore dans un rang. La nuit peut me trouver, les bureaux peuvent se fermer, j'allais prendre l'hôtel, je vais dormir. C'est ça, non? Je dors, le matin, je viens très tôt, je suis là, peut-être deux ou troisième, je vais payer, on dit, ah, ça me se pas dit oui. L'amende là, c'est 500 francs. D'Abidjan, je vais pour payer 500 francs. Dites-vous, demain, est-ce que je vais commettre encore cette infraction-là? Non. Parce que j'ai gâché toute une journée entière. Donc, frère, nos panneaux de signalisation nous disent, il y a un danger, où tu peux passer? C'est interdit, ça c'est interdit. C'est pas ça? Tu t'engages dans un sens interdit, tu as fait un accident. Donc, les signaux nous avertissent, nous préviennent pour nous protéger. Ainsi donc, le sang était un moyen de protection pour ceux qui se mettaient sous le sang. Et aujourd'hui, le sceau de Dieu est un moyen de protection pour ceux qui y sont. C'est pour aller jusqu'au jour de la rédemption. Et quand le jour de la rédemption viendra, c'est seulement à ceux-là que Dieu va révéler qu'est-ce qui va se passer pour l'enlèvement. Seuls eux verront les saints se sortir des tombeaux. Seuls eux verront la résurrection d'abord. Seuls eux seront transformés et seuls eux seront changés en un clin d'œil. Seuls eux avec le vont partir. Parce que souvent quand on parle de l'époux, les gens pensent que c'est seulement le divin. Tous ceux qui, depuis l'apôtre Paul, le temps du premier âge jusqu'au septième âge, ceux qui sont morts, remplis d'un esprit d'homme, la poussière, vont ressusciter. Et nous les vivants, qui aussi avons le Saint-Esprit comme eux, nous serons alors changés. C'est pour ça que c'est un départ soudain, secret. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre.
C'est pas j'ai dit frère, c'est pas parce que je suis un message forcément que j'ai parti, c'est faux. Ah non, non, non. Regardez bien la fois de neige, on écoutait. Et il y avait quelqu'un qui distribuait les cartes de prière. Pourquoi est-ce que frère Branham l'a retiré de ses frères-là? Il y a un qui vendait les cartes de prière. Les cartes qu'il doit donner pour qu'on prie, lui vend. Mais peut-être il croit un message. C'est un courant de message. Et il est autant, il était du vivant frère Branham. Il n'est pas de notre temps, mais il est au temps même où frère Branham vivait. Mais voyez son comportement, frère. La vie chrétienne n'est pas de dire je lis la Bible, j'ai pris mon baptême. La vie chrétienne, c'est de dire je connais Christ et je marche avec lui, je vis par lui et il vit par moi. Ça nous va? Maintenant, on va parler un peu légèrement de notre signe. J'ai dit un signe. J'ai pris Esaïe qui dit, Esaïe, également qui nous dit, vous serez un signe. On peut lire, revenons sur Esaïe avant d'aller. Revenons à Esaïe. C'est Esaïe 9, Esaïe 8, verset 18. Voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Le prophète dit, les enfants que Dieu a donnés là et moi, nous sommes un signe et des présages en Israël. C'est de la part de l'Éternel, nous sommes des signes. Pour annoncer, pour parler, pour avertir, pour prévenir. Le signe a pour but d'avertir. Je vais vous donner la définition que j'ai trouvée dans mon encyclopédie. Un signe est un indice. C'est un miracle. C'est quelque chose qui permet de comprendre certains événements. Un signe permet de comprendre certains événements. C'est un signe qui arrive permet de comprendre certains événements. Quand vous lisez dans, je crois que c'est dans Luc aussi, que j'ai lu, le Seigneur pouvait demander, les gens vous disent, mais quel signe tu nous montres qui vient du ciel pour qu'on puisse croire en toi? Il dit, le soir, vous dites, sera beau parce que le ciel est rouge. Et puis le matin, vous dites, il est rouge sombre, il va pleuvoir. Vous connaissez les signes du ciel, mais vous ne connaissez pas les signes du temps de la fin, le temps dans lequel vous êtes. Beaucoup de croyants ne connaissent pas. C'est pour ça que je veux qu'on parle de ces signes du ciel. C'est parce que beaucoup ne comprennent pas le signe du temps dans lequel ils sont. Beaucoup ne comprennent pas ça. Que les signes sont donnés pour comprendre un ensemble d'événements qui arrivent. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas cet événement-là, ils vont se produire comme vous ne les comprenez pas. Ils vont vous surprendre. Puisque Dieu vous donne des signes, vous ne comprenez pas. Et Dieu a donné des signes de tout temps, depuis la Genèse jusqu'à notre époque. Dieu a tout donné des signes pour prévenir, pour avertir, pour que les gens soient sauvés, pour que les gens se mettent en ordre. Mais personne n'a jamais fait attention. La plupart des gens n'ont jamais fait attention. Je vais prendre des hommes que Dieu a établis, que Dieu a pris pour faire des signes. Je prenais seulement des hommes. C'est pourquoi je lis tout à l'heure dans Esaïe et dans Zacharie pour voir qu'il n'a pas des hommes, mais je prends des hommes typiques. Alors, on va aller dans la Genèse. Allons dans la Genèse chapitre 5. Dans la Genèse chapitre 5, on va être verset 22 au verset 29. Ensuite, on lira Genèse 6, verset 5 au verset 13. Et Genèse 7, verset 12, verset 5, verset 12. Pour vous donner le premier grand signe que Dieu a donné là. Peut-être aujourd'hui, quand on va le lire, vous allez comprendre qu'il y avait un signe là-bas qu'on n'avait jamais fait, auquel on n'a jamais fait attention. Ça fait longtemps que moi j'ai ça. Mais aujourd'hui, j'ai voulu qu'on le partage. Alors, prenons Genèse chapitre 5, verset 22. Je lis un peu. Après, prenons verset 17. Ça donnait un peu plus de sens. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans.
puis il mourut. Son fils Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Notez bien ce nom-là, Enoch. Cet homme très particulier. Cet homme d'entre les hommes qui a expérimenté le premier enlèvement. Je continue. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, Kenbik, Kenfeu. On va faire un peu de mathématiques ce matin. Prenez un bic, prenez votre bic, prenez votre feuille. Vous êtes prêts? Enoch, âgé de 100, de combien? Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. La 65 ans. Vous voulez noter ça, mais vous pouvez laisser ça d'abord. Laissez les 65 ans. On va prendre à partir de l'âge de Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. De tous ceux qui sont avant Enoch, on vécu plus longtemps. De 800, de 700. Enoch est mort à 365 ans. Mais regardez, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Methuselah, âgé de 187 ans, engendra le mec. Mettez Methuselah, enfant, mettez 187 ans. Methuselah, quand il est âgé de 187 ans, c'est là qu'il a mis au monde qui? Qui? Le mec. Methuselah vécut après la naissance de le mec 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methuselah furent de 969 ans. Notez 969 ans. Methuselah est mort à l'âge de 969 ans. Le mec, son fils, Methuselah est le fils de... Non, le mec est le fils de Methuselah. Le mec, fils de Methuselah, âgé de 182 ans, engendra un fils. Mettez le mec, 182 ans, un fils. On n'a pas donné le nom du fils, hein. C'est au verset 29 qui donne le fils. Il lui donne le nom de Noé. Si vous faites la somme des deux années que vous avez notées, ça fait combien d'années? ans. C'est ça, non? C'est ça. Mais Methuselah avait combien d'années? 969 ans. Moins, faites la différence. 969 moins 369. Je vais vous faciliter la tâche avant de vous lire une chose. Ça fait 600 ans. Je vous pose une question. Le déluge est venu sur la terre en quelle année? À 600 ans de la naissance de Noé. On va le lire. C'est de la mathématique simple, hein? Mais je vous dis qui est le signe. Quand vous allez connaître la signification de son nom, vous comprendrez pourquoi je vous donne ça. Je vous ai encore dit qu'il est signe. Mais je sais que vous imaginez, c'est pas intuitif, vous savez de quoi il veut parler. Donc, je continue qu'à verset 29, j'ai dit, il lui donne le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible que nous-mêmes, provenant de cette terre, que l'Éternel a maudite. Noé
est celui qui va nous consoler. C'est ça, non? Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Ah, Noé est quelqu'un qui est venu à un moment très difficile. Allons dans Genèse 6. J'essaie que vous notez tout ça. Hein? Genèse 6, verset 5 au verset 13. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fit affligé en son cœur. Il lui a dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés, de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marcha avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cam, Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais la détruire avec la terre. » Vous comprenez? Ici déjà, du vivant de Noé, Métuchel n'est pas encore mort. Métuchel va mourir à l'âge de 600 ans de Noé. Je vous le lis tout de suite. Mais déjà, Dieu regarde la terre, Métuchel vivant, Noé vivant, toute la terre est corrompue. Toute chair a corrompu ses voies. Et vous savez que toute la méchanceté, tout le cœur de l'homme est porté sur le mal. Du coup, on s'attend à un jugement qui doit venir. Donc Dieu va juger la terre à cause de la méchanceté de l'homme, à cause de la corruption de l'homme. Regardez maintenant, temps, frère. Ce matin, j'ai regardé, la Terre compte 8 milliards de personnes. Les prévisions pour l'an 2050 vont porter la Terre à 9 milliards 700 millions d'habitants. Mais déjà, regardez, toute la Terre est en train de être corrompue. La méchanceté coule partout. Ce que Dieu ne veut pas, même sa parole est complètement dévoyée. On dévoie complètement la parole de Dieu. Tous les hommes que Dieu a établis pour que les hommes vivent bien sont en train d'être jetés à la poubelle. Qu'est-ce qu'on peut attendre de bon? Je vais faire le parallèle plus tard entre le temps dans lequel Noé a vécu, Métuchel a vécu, le mec a vécu, pour arriver à notre temps. Pour que vous sachiez exactement, frère, qu'est-ce qui va attendre notre terre? Allons dans le chapitre 7, le verset 5 au verset 12. Je pense que vous notez ce passage-là. Et Noé, le verset 5 au verset 12. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Donc les animaux purs, les animaux qui sont ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui n'est pas pur sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 ans de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrir à la 969e année de Métuchela, le déluge vint.
Qui connaît le nom, le sang du nom de Métichela? Quand il mourra, ça viendra. Voilà où j'ai découvert ça. Depuis 1900, je vais vous donner la date. Depuis 1994. Mais je n'en ai jamais parlé. Je vais vous lire ce que cet homme a écrit là-dessus. Que vous compreniez. Prenons Métichela. L'homme qui a vécu le plus longtemps, 969 ans, exagération, dira-t-on, à moins que les années d'alors ne fussent pas comme celles de nos jours. Prenons le microscope. Que signifie son nom? Métichela. Les hébraïsants nous disent qu'on peut le traduire, quand il sera mort, ce sera envoyé. Qu'est-ce qu'il va t'envoyer quand il va mourir? Pourquoi? Et savez-vous ce que c'est? Qui a donné ce nom-là? C'est Enoch. Allons dans Jude. Jude. Voilà ce que Jude dit de Jude. Voilà ce que Jude dit d'Enoch. Verset 14. C'est aussi pour eux. Jude 14. Vous y êtes? Je veux que vous soyez là. Qu'on est ensemble. Non. Va, juste avant l'Apocalypse. Jude. Tout juste avant l'Apocalypse. Le dernier livre avant l'Apocalypse. Le verset 14. C'est aussi pour eux que Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, verset 15, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Je dis que Enoch a prophétisé. Par quoi? En donnant un nom que beaucoup n'ont pas compris. Métichela. Quand il mourra, ça sera envoyé. Dieu a décidé de juger toute la terre à cause de l'impiété. Et il envoie tout ce qu'il faut pour que toute la terre passe. Personne ne suivit, si ce n'est que celui qui a trouvé grâce devant lui. Seul Noé a trouvé grâce devant lui. Et à l'an 600 de Noé, ce jour-là, ce mois, le déluge est venu. C'est ce jour-là, quand Métichela est mort, à sa 969e année qu'il est mort, que le déluge est venu. Frère, Dieu avertit. Dieu donne un signe. Métichela a été un signe. Maintenant, je vais lire ce que ce homme a écrit pour que vous voyez bien. Quand il sera mort, ça sera envoyé. Et lui qui avait donné ce nom énigmatique a été appelé prophète par Jude. Ainsi, à la naissance de Noé, Métichela avait 969 ans. C'est pour ça que vous avez calculé là. Arrivons au septième chapitre de la Genèse. Et nous lisons verset 11, verset 12. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le septième jour du mois, en ce jour-là, des cieux s'ouvrirent, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. C'est donc le déluge qu'Enoch prophétisait en donnant ce nom à son fils. Mais rien dans le texte n'attire notre attention sur ce fait. Et c'est vrai. Quand on lit seulement, on ne peut pas savoir que c'est ce que ça veut dire. Il fallait aller chercher la signification du nom de Métichela. Pour comprendre ce que c'est. Mais rien dans le texte narratif que si l'écrivain sacré avait dit 963 ans, personne ne saurait qu'il y a une erreur dedans. Mais ici, Dieu ne se trompe pas. Frère, Dieu ne se trompe pas.
Personne n'aurait soupçonné une erreur. Ce n'est qu'en creusant et en scrutant le texte que nous découvrons une harmonie secrète, une perfection voilée qu'on ne trouverait même pas dans une œuvre humaine. Tout comme une fleur, ce petit fait est comme une signature de l'auteur. Et cette signature devient plus fragrante encore si nous l'examinons de plus près. Métuchel a vécu plus longtemps que personne. Pourquoi? Quand il sera mort, ça sera envoyé. Dieu avait annoncé par le ministère prophétique d'Enoch un jugement terrible qui devait fondre sur la terre à cause du péché, mais pas avant la mort de Métuchéla. Aussi, ce qui veut dire qu'aussi longtemps Métuchéla vivait, personne ne craindrait. Quand il avait 800 ans, on n'a rien à craindre. À 700 ans, on n'a rien à craindre. À 800 ans, on n'a rien à craindre. À 850 ans, on n'a rien à craindre. À 900 ans, on n'a rien à craindre. À 950 ans, on n'a rien à craindre. À 960 ans, on n'a rien à craindre. À 968 ans, on n'a rien à craindre. À 69 ans, on doit se rendre compte que cet homme-là, il a 969 ans. On devait craindre. Mais comme les gens ne savaient pas que quand il mourra, le jour où il est mort, ce jour-là était fatidique, catastrophique. 600 ans, l'an de Noé. Mais avant la mort de Métuchéla, tant qu'il vivait, il n'avait rien à craindre. Aussi sûr que Dieu l'avait promis. Mais tant qu'il vivait, qu'il entourait, son nom même devrait leur rappeler la nécessité de se repentir sans retard. À mesure qu'il avançait en âge, l'avertissement devenait plus pressant. Aussi longtemps qu'il vieillissait, l'avertissement, le signal partait vers la fin. Mais personne ne s'attendait à ça. Au plus, bien au contraire, ce qu'on a lu, c'est que toute la terre était corrompue. Et tous les hommes ont corrompu leur voix. Frère, vous vous souvenez? La Bible dit, toute la terre était corrompue. Toute chair. Il n'a pas dit quelque chose, il dit toute chair. Au point où tous les animaux, les oiseaux, les reptiles, tout devait passer. À cause du péché de l'homme, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Pour la fin, c'est le feu qui est réservé, frère. Depuis là-haut jusqu'en bas. Ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer exactement. Nous, on a tout ce qui est volcanique en bas. Au temps de Noé, on a sorti tout ce qui est en bas, comme écluse, l'eau, tout l'abîme, tout ce qui est dans l'eau. En bas, sorti. En haut, descendre. Pour qu'en 40 jours, 40 nuits, tout soit complètement englouti. Les bons nageurs ont dû nager. Ceux qui savent grimper, ils ont grimpé les plus hauts. Ceux qui savent, les alpinistes ont monté sur les montagnes les plus élevées. Mais aucune montagne n'a survécu. Tout était noyé. Tout était submergé. De ce que personne. Regardez bien, quand la colombe a été lancée, il n'a trouvé aucun endroit pour y son. Il est retourné. Il n'y avait pas un seul endroit où il pouvait se poser. Il est retourné dans l'âge. Jusqu'à ce que la colombe apporte une feuille de laurier pour dire à Noé, l'eau a fini, les plantes ont commencé à pousser. Voilà un signe, frère. Dieu a donné un signe à la terre pendant 969 ans. Les gens n'ont pas fait attention jusqu'à ce qu'ils soient tous engloutis, sauf Noé et ses trois enfants et leurs femmes. 7 plus Noé, ça fait 8. Voilà ceux qui ont été épargnés, frère. Mais Dieu a donné un signe, un homme, dont le nom était typique, caractéristique. Aujourd'hui, je parlais avec un jeune homme, il s'appelle Métuchéla d'ailleurs. J'ai dit, depuis, je connais 2 personnes. C'est la deuxième personne à qui on donne le nom Métuchéla. Est-ce que les parents savent ce que ça signifie? Quand ils donnent ça à leurs enfants, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ne donnons pas le nom parce que ça fait beau. Hein? Donne le nom parce qu'on connaît le sens. Quand vous donnez un nom, chacun comprend. C'est pour ça que quand le frère a mis son nom, j'ai dit, ton fils là, que signifie son nom? Ah oui. Frère, les noms influencent.
Il est démontré que les noms influencent les enfants, les grandes personnes. Et c'est vrai, les noms ont une influence sur nous. Vous devez le savoir. C'est pour ça que donner un nom à quelqu'un, si vous donnez, vous appelez votre fils un lion, mais ne vous étonnez pas que demain il se comporte comme un lion. Il soit intransigeant, il soit dominateur, il soit fort. Quand vous donnez le nom Samson à un enfant, attendez-vous qu'il soit comme Samson. Oui, frère. Quand on donne le nom Ariel, ça veut dire quoi? Hein? Le lion de Dieu. Mais ne vous attendez pas qu'il se comporte autrement. J'ai ri à il dit, mais le nom Badi te fatigue. Badi, c'est un bois dur. Mais faut pas te. Faut, c'est pour ça qu'on ne peut pas le casser. Et tu lui dis encore. Lion de Dieu en plus, personne ne peut le dominer. Ni à la maison, ni à l'école. À son âge, personne. Il manifeste ce qu'il est. C'est ce que vous avez dit qu'il doit être. Il est. Je leur ai dit à sa naissance. Quand j'ai regardé le visage de l'enfant, j'ai dit, hey, cet enfant-là, faites très attention. Faites très attention à cet enfant. Veillez sur lui. Regardez-le bien. Et quand ils ont donné mon nom, ils disent, oh là, tu t'es gâté maintenant. Mais aujourd'hui, il vit son nom, frère. Ne donnez pas n'importe quel nom. Il y en a qui donnent Jacob. Mais Jacob, c'est n'importe quoi. Mais ne soyez pas. Moi, j'ai été à l'école avec un jeune homme qui s'appelle Jacob. Mais c'est un gros tricheur. Il a triché jusqu'à l'université, il triche. Et il réussit. Hein? Il est parti jusqu'à la fini. On a fait le collège ensemble. Il a triché quand on a dit au lycée. Il a triché qu'il est rentré à l'ENS. Il a-t-il les sorti, le professeur? Oui. Jacob. Oui, frère. Je laisse un peu pour venir vous montrer que, frère, les noms ont un sens et les noms influencent. Donc, en tant que croyant, pour donner un nom, faites attention. Faites attention. Faites très attention. Je vous ai donné, est-ce que je suis venu avec ce nom? Je vais vous donner le nom de, je vais vous donner le sens d'Isaac. Vous savez, Isaac veut dire rire, veut dire la joie. Bien notre nom qui accompagne, c'est le nom hébreu. Chaque nom, frère, a un sens. On dit Paul, Paul. Bon, il y en a qui mettent le mot Paul. Quand vous avez un nom comme Paul là, sachez ce que ça va passer. Non, frère. Revenons donc. Ici, nous venons bien que Methuselah a été un signe pour le peuple de son temps. Et vous savez, en ce temps, les gens vivaient très longtemps. Mais par contre, son père est celui qui a vécu le plus court possible. Enoch lui-même a vécu 369 ans. Mais regardez si vous voulez bien, on peut revenir hein, pour regarder un peu les personnes qui sont autour là-bas. Venez dans Genèse 5, vous allez voir, je vais vous faire voir le nombre d'années, même Enoch, même Noé, le nombre d'années que Noé a vécu. Venez, vous allez voir. Pour être un vrai signe, regardez, comprenez. J'ai lu après le verset 17. Tous les jours de Mahalaleel furent de 895 ans. Jared a vécu 962 ans. Noé Enoch a vécu 369 ans. C'est le seul le plus court, mais c'est le seul qui a été enlevé. Combien? 365 ans plutôt. 365 ans. C'est le plus court, mais c'est le seul à qui tu as fait qui a été enlevé. Ce matin, quand je lisais, je suis parti dans Hébreux 11 pour lire, je pensais à regarder, mais. Et c'est vrai. Quand on regarde les hommes de foi, on appelle d'abord d'Abel. Ensuite, on appelle d'Enoch. Vous voulez qu'on regarde? Prenez Hébreux chapitre 9, vous allez regarder. Prenez Hébreux chapitre 9 et chapitre 11. Prenez Hébreux, vous allez voir. Hébreux chapitre 11. C'est merveilleux quand on peut sonner les Écritures seulement. Chez mon ami, exemple d'homme de foi. Les exemples d'hommes de foi, les hommes
qui sont des hommes de foi. Le premier qu'on a fait, c'était Abel. Le deuxième, c'était Enoch. Le troisième, c'est Noé. Et puis après, le quatrième qu'on trouve, c'est Abraham et Sarah. Et puis on descend, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué et Jéricho. Et puis après ça, c'est le nom d'une prostituée qu'on cite, Rahab. Et alors j'étais cherché. Je cherchais, on a cité Rahab dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis dit, mais à qui cette femme qu'on appelle la prostituée a-t-elle été mariée? Puisqu'on on la cite dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux femmes qui se trouvent dans la généalogie. Il y a Rahab et il y a Ruth. Voilà les deux femmes dont les noms figurent dans la généalogie de notre Seigneur Jésus. Allez dans Matthieu. Moi, j'aime bien faire lire la Bible. Hein. Vous me connaissez là-dessus. Ça, c'est le même problème. Allons dans Matthieu, au premier chapitre. Généalogie de Jésus, verset 1. Fils de David, fils d'Abraham. Ils ont sauté, après ils vont recommencer. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar de Pérès. Oui, il y a un nom, non? Il y a une femme. La première femme, c'est Tamar. C'est vrai, non? Tamar de Pérès. Et puis c'est paradoxal. On dit toujours le nom de la mère avant le nom de la femme. Judas engendra Tamar de Pérès et Zara. Pérès engendra Hezron. Hezron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon. Pas Salomon, hein. Salmon. Et Salmon engendra Boaz de Rahab. Et Boaz engendra Obed de Ruth. Mais regardez bien, parmi les trois femmes, celle qu'on a citée parmi les hommes de foi, les personnes de foi, c'est Rahab, la prostituée. C'est comme ça qu'on l'appelle, non? Si aujourd'hui, une dame venait, a été prostituée, elle est convertie, et que quelqu'un partait de la marier, oh! Quel sale nom elle allait donner à cet homme-là. C'est faux. Il a bien réfléchi ce frère-là. C'est la prostituée de la petite prendre. Mais je pense qu'Osée a été amené à marier une prostituée, non? Dieu l'a amené à une prostituée. Frère, quand quelqu'un passe sous le contrôle de Dieu, son passé n'est plus est passé. Bien-aimé frère, son passé est passé. Dieu a signé autre chose pour cette personne. Sa vie est nouvelle. L'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà Rahab, la prostituée, assise de l'autre côté, a reçu les espions et a fait un pacte avec les espions. Et elle a sauvé sa famille, elle a joint le peuple de Dieu. Et pour finir, elle a pu trouver un bon mari de qui est né quelqu'un qui va être de la postérité, non, de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que Ruth a été citée dans la généalogie. Mais elle, on dit bien, Rahab la prostituée. On dit bien, Rahab la prostituée. Quand on dit Rahab la prostituée, c'est pour ça que frère, quand j'ai parlé de être né, être un croyant, ce n'est pas d'appartenir à un groupe. C'est d'être vraiment un chrétien.
de ce que tout en toi change. Ta nature change, ton mental change, ton comportement change, tes choix changent. Tu ne choisis plus rien de toi-même. Tout vient de Dieu. C'est lui qui choisit tout pour toi. Dès lors où Dieu te dit, celle-là, c'est ma fille. Prends-la, prends-la. C'est pour ça que jeune homme, jeune gens, vous qui n'êtes pas encore marié, qui voulez vous marier, pliez vos genoux, frères et sœurs. Sœur, toi qui n'es pas encore marié, qui dois être marié, plie tes genoux jusqu'à ce que tu sois convaincu que celui qui vient là est de Dieu. Quand tes parents diront, ah, telle personne est venue nous voir pour demander ta main, dès qu'on t'a dit là, tu dois te sentir dans un état de détresse grave. Avant que ce soit un moment de joie pour toi, il faut te dire, tu es entre la mort et la vie. Peut-être ton papa et ta maman n'ont pas bien analysé. Il peut avoir aimé ce jeune homme qui est beau, qui est grand, qui a un portefeuille assez un peu lourd. Parce que la situation est un peu difficile. Et puis bon, ben, il voit un jeune homme qui est bien là, qui vient. Peut-être ne pas bien penser, il accepte. Dès qu'on vient te dire, voilà, telle personne qui vient là. Dans le foyer, là, ton papa ne sera pas là-bas. Dans le foyer, maman ne sera pas là-bas. Dans le foyer, c'est toi et l'homme. Dans le foyer, là, c'est toi et l'homme. C'est toi qui vas être concerné. Donc, demain, là, tu as dit, papa, pourquoi te bannir cet homme? Elle dit, ma fille, tu n'as pas eu le temps de jeûner, prier? Tu n'as pas eu le temps d'intercéder? Moi aussi, j'ai prié, moi, j'ai vu comme ça. Mais c'est toi qui allais partir là-bas. Hein. Tu as accepté? D'accord. Maintenant, tu payes. C'est pour ça que dans les églises où ce qu'on appelle les hommes de Dieu, on va en parler pas aujourd'hui, peut-être une fois, les hommes de Dieu cherchent des femmes pour des hommes ou cherchent des hommes pour des femmes là. Faites attention, frère. Quand vous êtes marié là, l'homme de Dieu disparaît. Hein. Dès que le mari a eu lieu là, l'homme de Dieu disparaît. Hein. C'est vous deux qui êtes concernés maintenant. Si c'est une vipère qu'on t'a donnée, ben c'est ton problème. Si c'est un scorpion que tu as été mis dans ta poche, c'est ton problème à toi aussi. Mais ça va t'accepter. Et tu ne pourras même jamais, même devant le Seigneur, tu ne pourras jamais prétendre accuser quelqu'un. Non, frère. Le temps est venu où chacun de nous doit être responsable de lui-même devant le Seigneur. Dans toutes les recoins de notre vie, dans toutes les circonstances, frère, nous devons être responsables à part entière de ce que nous posons comme acte devant Dieu. Salomon a pris Rahab la prostituée. Conduit par Dieu, il a pris Rahab la prostituée. Oh, peut-être quelqu'un dit, non, regardez bien, qui a refusé de prendre Ruth? Comment il s'appelle? Celui qui avait le droit, le droit de rachat. Comment? Abel. Jabel. Il avait le droit de rachat par rapport à Boaz. Boaz a dit, je vais voir. C'est lui qui a le droit de rachat. Il a dit, non, moi je ne veux pas mélanger ma descendance. Je ne veux pas prendre une Moabite là pour mettre dans cette affaire-là. Non. Je prends une hébreu, une de la descendante d'Abraham. Non, je ne veux pas. Non, il ne faut pas aller prendre les Mandiani, les Moabites. Non. Je n'ai rien à voir avec ça. Bon, si tu ne veux pas prendre pas ta chose. Mais il ne sait pas que c'est un don de Dieu. S'il savait seulement que c'était un don de Dieu, il n'aurait pas parlé comme il a parlé. Oh, dès qu'il a pris, dit, oh, Ruth, Naomi, mais qu'elle soit pour toi plus que 10 enfants. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on dit? Vous voulez réaliser? Lis-moi ça dans Ruth, le dernier chapitre de Ruth. Prenez Ruth rapidement. Tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Qui a trouvé Ruth? On va dire que j'ai laissé une femme lire la Bible. Ruth, qui a trouvé Ruth? T'as trouvé, non? Mais lis. Prends le micro, donne le micro, t'as qu'à lire Ruth.
le dernier chapitre, là où on bénissait la naissance de d'Obed. Vas-y. Ruth chapitre 4. Oui, vas-y. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Vas-y. En présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit. Continue. Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez, non? Et Dieu ne veut pas détruire son héritage. Il ne veut pas qu'une Moabite rentre dans sa maison. J'ai le droit de rachat, mais c'est pour que la Moabite vienne dans ma maison. Prends. Fais ce que tu veux de ça. Prends tout. Je te donne le droit. Elle va de l'avant. Frère, il n'a pas dit, je vais consulter l'Éternel pour voir ce que l'Éternel va dire. Si je dois prendre ou pas. C'est mon droit. Mais il a rejeté du revers de la main ce qui vient de droit. C'est la même chose que Esaü a fait avec Jacob. C'est la même chose qu'il fait ici. Il dit non, je n'en veux pas du tout. Oh là là. Non. Si lui est parti là-bas, il est parti dans les Moabites, la plus une femme Moabite là, et puis il est mort. Moi, je ne veux pas détruire ma maison. Je ne veux pas me détruire mon héritage. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne dedans. Mais Ruth, la Moabite. Regarde ce qui va se passer après. Verset 9. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijon, et à Malcolm, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Malcolm, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché. Il ne pense même pas à lui-même. Il pense plutôt à ceux qui sont décédés pour qu'ils soient, leur nom soit perpétré. Il prend, frère, écoutez bien, levez vos têtes. Il prend l'engagement d'obéir à la parole de Dieu. Pour ne pas que les autres soient éteints. Non pas que lui ne soit pas éteint, mais il ne veut pas que les autres soient éteints. Vous pensez que quelqu'un qui prend position pour la parole de Dieu, Dieu ne va pas prendre position pour lui? Mais si, Dieu va prendre position pour lui. Parce qu'il prend position pour la parole de Dieu, frère. Et continue. Au verset. Et il continue. Malcolm pour relever le nom du défunt dans son héritage afin que le nom du défunt ne soit pas retranché. Dans ses frères et de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui, tout le peuple qui était à la porte
Les anciens disent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste la foi dans Ephrata et fais de toi un nom à Bethléem. Alléluia! Amen. Quelle promesse grande! Les gens prophétisent sans le savoir. Où est né Jésus? Fais-toi un nom. Fais-toi un nom. Sois fort. Prends-la. Manifeste ton nom à Ephrata. Et fais-toi un nom à Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre la maison semblable à la maison de Pérès qui lui a enfanté à Judas par Tamar. On retourne jusqu'au jour même de Judas. Judas, qui a voulu refuser à Tamar l'un des enfants parce que les deux sont morts. Il dit, va jusqu'à ce que le tarika se va grandir, tu vas venir. Mais quand l'autre est grand, Judas n'a pas voulu. Et comme Dieu aime bien venger, on dit Judas battait quelque part. La jeune dame s'est déguisée en quoi? En une prostituée. Et ce jour-là, Judas arrive là-bas, il cherche une femme. C'est la seule prostituée de la ville. Et quand il a dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner pour que tu viennes me payer? Il dit, non, je ne veux pas. Je veux ton bâton et ton cordon. C'est les deux éléments dont j'ai besoin. Frère, écoutez-moi bien. Soeur, écoutez-moi bien. Je suis avec les enfants, que Dieu me pardonne. Pour la seule nuit, une conception va avoir lieu. Pour la seule nuit, une conception va avoir lieu. Quand le jour est arrivé, il est parti. Il n'est pas parti lui-même, mais il a donné les éléments à son ami pour les donner. Il arrive, il n'y a personne ici, mais. On dit, il n'y a jamais de prostituée ici. Et plus tard, on apprend que quoi? Tamar est enceinte. De qui? Il faut le chercher. Il faut chercher l'auteur de la grossesse. Vous voyez, c'est ce qu'on dit? Ces gens-là, de la porte, se retournent là. Au temps passé, de Judas, de Tamar, de qui Pérès est né, qui va être prostitué, qui va être dans la généalogie de Jésus. Et on cherche l'auteur de la grossesse. Parce que cette jeune fille s'est prostituée, on doit la lapider et mourir. Faux. Et quand le jour est arrivé, il dit, mais qu'on trouve le propriétaire du coton, du cordon et de ce bâton. Alors je lui dis, mais je suis plus coupable qu'elle. C'est moi qui suis coupable. Oh, c'est bon quand on est honnête, hein. Le beau-père, ouais, puis c'est quand il dit, lapidez-la. Elle a quand même mouru, puis c'est fini. Mais Judas craint Dieu. Judas. C'est pas Judas, hein? Judas. Vous avez quand vous lire l'histoire de Judas? Allons dans Genèse 49. Allons dans Genèse 49. Ce matin, je m'étais bien régalé en lisant ça. J'ai dit, oh, Dieu fait de grandes choses. Judas, l'un des fils de Jacob d'Israël. Prenez Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Le lion de la tribu de Judas, c'est ça non? Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu plois les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, au milieu du cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement
et dans le sang des raisins son manteau. Les yeux, il a les yeux rouges de vin et les dents blancs, les dents blanches de lait. Voilà Judas. Le lion de la tribu de Judas. Celui qui va devenir de qui va sortir la royauté. David va sortir de là. Et cette royauté n'aura jamais de fin. Parce que l'apôtre David est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oh, c'est tellement merveilleux. Frère, vous voyez, celui qui avait le droit de rachat a rejeté le beau cadeau que Dieu lui donnait. Il a manqué de discernement. Il a dit, je ne veux pas perturber moi mon héritage. C'est une Moabite. Mais il a oublié que Rahab la prostituée a été la femme de Salomon, qui fait partie de la généalogie dont il relève. Mais frère, rien n'est au hasard. Dieu sait tout. Il sait par qui les choses doivent arriver. Ne vous en faites pas. Tout est préordonné. Dieu savait que cet homme ne voulait pas de ça. C'est Boaz. Le nom de Boaz doit figurer dans la généalogie. Lui, son nom n'a plus figuré dans la généalogie. Hein. Celui qui a refusé, son nom n'a plus figuré dans la généalogie. Mais le nom de Boaz a été figuré dans la généalogie. Quand on dit Boaz a engendré qui? Obed de Tamar. Non, Obed de Ruth. Obed de Ruth. Et c'est d'Obed qui va venir jusqu'à Isaïe pour arriver à David. Oh frère, c'est tellement beau quand on peut prendre les écritures les unes après les autres. C'est parce que ce matin, je disais qu'on ne peut pas prendre un seul verset pour établir une doctrine. Il faut aller d'écriture en écriture. Il faut aller d'écriture en écriture. On est parti seulement du nom de Methuselah pour parler de l'influence des noms qui peuvent agir sur les enfants et savoir choisir le nom qu'on donne à un enfant. Et c'est important, frère. Et avoir le discernement dans tout ce qu'on fait. Mais ça n'est possible que frère. Et vous savez que le discernement est un don de l'esprit. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non. Le discernement est un don de l'esprit. Cela, on le lit dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est partie des dons de l'esprit. Que Dieu nous aide. Afin que nous puissions marcher pleinement et tranquillement. Nous sommes arrivés au temps, frère, où nous devons faire très attention. Je reviens à dire, ne nous contentons pas de dire « Je suis au message, ça ne t'amènera nulle part. » Oui, c'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. C'est un premier pas. Arriver au message, c'est la plus grande grâce que Dieu a pu faire aujourd'hui à nous autres. Ça, je le dis, frère, c'est une grâce. On n'a pu rester dans nos dénominations, dans nos traditions. Mais Dieu qui nous aime, nous a manifesté son amour en nous révélant son plan de rédemption tout au long de ces derniers temps pour nous dire, voilà ce qu'il fait en ce temps de la fin. Venez et participez. Malheureusement, on arrive. Au lieu de rester là-dedans, on cherche ce qui nous plaît. Au lieu de rester là jusqu'à ce que lui-même, il se révèle, nous nous engageons dans les voies qui sont les voies étrangères. Nous prenons les voies qui nous plaisent. Nous marchons comme les autres. J'ai dit une fois, et je le redis encore, si ce message devait avoir 200 ans, on serait pire que les dénominationnels. Oui, c'est vrai, frère. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai aucun code. Je m'explique. Il n'y a rien de qui est préétabli. C'est faux? Chacun va dans ce qu'il fait. Chez les méthodistes, il y a des règles qui sont préétablies. Tu rentres dedans ou tu ne rentres pas dedans. Chez les catholiques, c'est établi. Tu rentres dedans, tu ne rentres pas dedans. À Saint de Dieu, c'est préétabli. Tu rentres. Chez nous, rien n'est préétabli. Tout est ouvert. Comme au temps des apôtres. C'est normal, c'est biblique. Du coup, n'importe qui peut se faire ce qu'il veut. N'importe qui peut se. Mais si on écoutait un peu le message, on a compris que n'importe qui ne peut pas se faire ce qu'il veut. Il y a un ordre divin dans l'église de Dieu vivant. Ce matin, je l'ai lu. Il y a un ordre divin dans l'église de Dieu vivant. C'est Dieu qui appelle et qui établit.
Ceux qui s'appellent eux-mêmes et qui s'établissent eux-mêmes n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin et ne feront pas bonne route. Ne pourra marcher ce chemin étroit, resserré. Frère, c'est un départ soudain et secret. C'est un départ soudain et secret. Quiconque n'est pas en ordre avec ne le verra pas. Lisez. C'est un départ soudain et secret. C'est pour seulement des fils et les filles de Dieu. C'est pour seulement ceux qui ont la même nature que le Seigneur. Frère, je reprends ce même exemple que je prends. Le Seigneur comme un gros aimant dans l'espace. Tous les petits aimants sont sur la terre là. Quand il se présentera, comme ils ont la même nature, alors qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a la même nature va se lever. Va se lever. Quel que soit là où il est, il va se lever. Ceux qui n'ont pas la même nature que lui, ne vont pas pouvoir se lever. Demain, quand on prend un gros aimant, tous les métaux qui sont sur la terre, les matériaux qui sont sur la terre, qui n'ont pas la même nature, ne pourront pas aller se coller à cet aimant. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part, frère. C'est pour ça que c'est bien le Seigneur de s'en avoir sur la terre. Il va rester là, dans les airs. Il faut pouvoir quitter ta tombe. Si tu es mort, il faut pouvoir être transformé là. Laisser tout ce qui est corruptible sur la terre. Laisser tout ce qui est mortel sur la terre pour revêtir l'immortalité et puis monter tranquillement pour aller le rejoindre. C'est pour ça que l'apôtre Pierre nous dit que les saints de l'Ancien Testament avaient l'Esprit de Christ en eux. Et Paul nous dit, regardez bien, les deux apôtres là, ils se complètent correctement. Hein, ils font là. Pierre nous dit que les saints de l'Ancien Testament avaient l'Esprit de Christ. Paul nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Comprenez? L'autre dit, voyez bien les saints de l'Ancien Testament là, qui ont été ressuscités, qui sont montés avec lui. Vous lisez dans Psaume, vous lisez dans Éphésiens, la captivité a été emportée. Oui, ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Alors ici, dans notre époque, pour ce qui concerne le Nouveau Testament, ceux qui veulent monter doivent avoir l'Esprit de Christ en eux pour qu'ils appartiennent à Christ. Autrement, tu ne pourras pas partir. Tous ceux qui, avant autant de Abraham, peut-être autant de Noé, Abraham, tout le monde, jusqu'à la naissance du Seigneur et à sa mort, n'avaient pas l'Esprit de Christ en eux, sont restés encore dans la tombe, hein, frère. Ils sont encore dans la tombe. Ils vont revenir à la direction générale. Tous ceux qui sont rapides de ressusciter là, ils vont revenir après. De même que ceux qui ne pourront pas ressusciter ici, quand le Seigneur viendra être dans l'air et qu'ils ne vont pas partir, ils vont rester là. Ils vont ressusciter après. Au moment où on aura la direction générale, où on va passer au trône blanc. Mais nous, ce pour lequel nous sommes ici, qui sait? Qui sait ce pour lequel nous on est ici? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas pourquoi on est ici? Nous sommes ici pour l'enlèvement. Nous sommes ici pour intercéder pour que Dieu nous donne son esprit. Nous sommes ici pour rester là jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance en haut, comme au temps des apôtres. Parce que frère, ça servira à quoi? De clamer qu'on est au message. De clamer que Dieu a un prophète dans la fin des temps. De clamer que nous avons la connaissance des sceaux. Du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit, de la semence du serpent, de tout ça. À quoi ça nous servait de clamer tout ça là? Si c'est pour encore rester ici bas, quand l'allemand aura lieu, à quoi ça nous aurait servi? À rien. On ne serait même plus malheureux. Parce qu'on a la connaissance. Oh, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. On aurait eu seulement la lettre. On a souvent lu, clamé, ramassé les brochures ici, se promener partout. Je suis du message, je suis pasteur. Alors je suis évangéliste du message. Et après, ma fille, et après mon fils, et après mon frère, et après.
C'est le et après là qui est important. Et après tout ça, c'est quoi? Tu as fait tout ça pour quoi après, frère? Ça te sert à quoi à la fin? Le reste à quoi, frère? Où tu vas avec? On aura tout perdu. Si c'est seulement pour proclamer partout. L'apôtre Paul dit, nous sommes les plus malheureux. Si c'est ça que nous sommes voués. On peut lire encore quelque chose? Vous voulez bien? Allons chercher encore des signes. On peut chercher un signe, non? On va lire ce signe et puis après, on va aller rapidement. Allons dans Ézéchiel. Prenez Ésaïe 23 d'abord. Prenez Ésaïe 20, chapitre 3. Prenez Ésaïe 20, chapitre 3. Ésaïe 20, chapitre 3. Je lis là à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Vous êtes, je peux lire, l'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoth, et lui dit, « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. » Je vais lire la suite pour que vous compreniez pourquoi. Verset 4. « De même le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes gens et les vieillards nus et débauchés et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans le froid et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance, et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et les habitants de cette côte diront en ce jour, voilà ce qu'est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? Oh là là, souvent, on se confie en des choses vaines. Au lieu de s'attendre au Seigneur, on s'attache plutôt aux hommes. On met sa confiance dans les hommes. On veut plutôt écouter les hommes. On ne veut pas écouter le Seigneur. Ici, il a pris son serviteur, Ésaïe, comme un signe, comme un présage. Il dit, dans 3 ans, ce que tu me l'as montré aujourd'hui, ils n'ont qu'à bien regarder. Dans 3 ans, voilà ce qui va arriver. Ils ont mis leur confiance dans l'Égypte. Oh, il est bien armé. Oui, il est bien équipé. Oh, c'est un grand pays. Une grande ville peut bien se battre. Ils ont regardé l'Éthiopie. Vous savez, l'Éthiopie aujourd'hui a fait la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Mais en ce temps déjà là, Dieu dit, mais les gens pouvaient mettre le confiance dans l'Éthiopie. C'est... Frère, quand on lit ça et qu'on regarde aujourd'hui, on se dit, mais donc c'est un pays qui est habitué à la guerre. De tout temps, l'Éthiopie a fait la guerre. Au point où on peut mettre sa confiance en ce pays-là pour dire, nous on peut se... On peut le prendre l'Éthiopie comme un appui. Quiconque viendra vers nous, l'Éthiopie le battra, peut en être tranquille. Mais là, Dieu a dit, ce que vous faites là, ça va retourner, ça se retourne contre vous. Je vous donne un exemple. De même que mon serviteur Ésaïe, il s'est déchaussé. Il a marché nu. Le dos découvert. De même dans 3 ans. Si vous ne changez pas de comportement, si vous continuez de faire ce que vous faites, dans 3 ans, vous verrez bien que de l'Éthiopie, le roi d'Assyrie viendra, il va sortir et les jeunes et les vieillards pour les amener en exil. Vous dites en Égypte, c'est dans l'Égypte que vous mettez votre confiance, c'est pas grave. Mais je vous dis, dans 3 ans, de même que vous avez mon prophète, mon serviteur nu, déchaussé, machin, de même vous allez voir vos jeunes gens, vos vieillards nus, déchaussés. On va les transporter de l'Éthiopie, de l'Égypte, jusqu'en Assyrie. Frère, Dieu donne des signes pour avertir. Malheureusement,
beaucoup de personnes ne suivent pas. Beaucoup n'écoutent pas les signes que Dieu donne. Quand Dieu donne un signe, on lui en veut pas. On n'écoute pas. Mais aujourd'hui encore, frère, dans ce message, c'est la même chose. Hein. On va arriver dans un peu de temps. Peut-être cet après-midi, on va arriver à nos trois signes. Pour nous, là, il y a trois bons signes. Pour notre temps, il y a trois bons signes que je vais vous donner. Trois très bons signes. Mais qui fait attention? On parle, on bavarde, mais qui fait attention? Soit on ne fait même pas attention, hein, que Dieu, à notre temps, a donné trois bons signes. Ce n'est pas une doctrine, hein. Je lis la Bible, c'est avec vous. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est dit, il dit, voilà ce qui va arriver. C'est écrit. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je lis la Bible avec vous. Frère, allons dans Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel 24. Vous me donnez encore un autre signe, un autre homme qui est un signe. Ézéchiel 24. Je lis à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Je lis. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurez pas. Mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez exactement comme il a fait. Oh oui, il faut que je lise un peu plus haut. Permettez-moi de lire après verset 15. Laissez-moi lire après verset 15 pour vous. Ça sert beaucoup de l'un meilleur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, de tes larmes ne coulera pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets les chaussures à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Frère, c'est dur, hein? Pourquoi c'est dur? Dieu lui donne des instructions. Il parle le matin, et ce qui fait sa joie, son plaisir, là, Dieu l'enlève le soir. Oh! C'est dur d'être serviteur de Dieu, hein? Pourquoi c'est dur d'être au service de Dieu? Quand il dit à Osée, va prendre une prostituée, une femme qui a que tout le monde a pris. Va la prendre comme femme. Toi, le prophète. Toi qui es mon serviteur, va prendre celle-là comme une femme. Oh. Mais tu es obligé d'obéir, frère. Tu ne peux pas faire autrement que ce que Dieu te dit. Un homme de Dieu ne peut que faire ce que Dieu lui ordonne de faire. Point. Ça ne se discute pas. Ça ne se réfléchit pas. Tu vois, j'étais en train d'écouter l'histoire de la vie de Frère Branham. Et là, parce que les frères cherchaient quelque chose, ils m'ont appelé. Ils disent, mais il faut nous aider à trouver là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti à la date anniversaire du décès, je crois, d'une soeur ou d'une femme, et il est parti au cimetière pour prier. Sous prétexte que c'est comme ça que Frère Branham a fait. Donc tout le monde cherche à savoir est-ce que Frère Branham l'a fait. Et j'écoutais l'histoire de sa vie où il a rencontré les pentecôtistes pour la première fois. Il a vu ce qui se passe au milieu d'eux. Et là, à la sortie, on lui a donné des invitations. Il a eu une liste de personnes qu'il invitait pour aller au milieu d'eux pour prêcher alors qu'il était baptiste. Mais ils se sont rendus compte qu'il a quelque chose. Et chez eux, l'habit ne fait pas le... Non, ils ne tiennent pas contre l'habit. Et quand il est arrivé à la maison, il a dit à sa femme, ah, il a rencontré un certain nombre de personnes, voilà, voilà, voilà.
Et sa belle-mère a appris ça. La maman de Hop, sa première femme, après elle a appelé Frère Branham, elle dit, tu n'amèneras pas ma fille au milieu de ces hommes, de ces fanatiques. Ces hommes-là qui tombent, là, qui écument, tu n'amèneras pas ma fille au milieu d'eux. Tu m'entends? Il y a des belles mères qui sont... Elle a dit, oui, j'ai compris. Il n'a pas fait ce que l'esprit dans son cœur lui a dit de faire. Il n'est pas parti. Il a rejeté toutes ses invitations. Sa femme lui a dit, je vais avec toi. Il dit, mais ta maman ne veut pas que je t'amène là. Je ne peux pas t'amener. Et il dit, c'est l'une des plus grosses erreurs qu'il a fait dans sa vie. Et quand Hop mourait, et qu'elle arrivait, il dit, n'abandonne pas Billy Paul. Mais tu sais que nous avons commis une grosse erreur, nous deux. Il lui a dit, oui, je sais. Il dit, tu ne recommenceras plus jamais ça dans ta vie. Tu iras partout où le Seigneur te dira de partir, quelles que soient les circonstances. Et c'est la désobéissance à Dieu là qui a fait que sa femme et sa fille sont partis. Il a beau prier, sa prière n'a pas été exaucée. Et pourtant, frère, quand Dieu t'envoie, tu es obligé de faire. Voilà, Ézéchiel, Dieu lui a dit de parler. Il dit, je vais t'enlever ce qui fait ton plaisir. Je vais te l'ôter. Tranquillement, tu vas voir. Il appelle le matin, le soir, sa femme est morte. Il m'a dit, tu ne mènes pas deuil. Tu ne pleures pas. Sa femme est morte. Hein. On n'y mène pas deuil, il ne pleure pas. J'avais parlé le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qu'il m'avait ordonné. Le père me dit, ne nous expliques-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Ne veux-tu pas, Ézéchiel, ne veux-tu pas nous expliquer ce que tu as dû faire là? Je leur répondis, la porte de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds, vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Oui. Ce qui lui est arrivé doit vous servir de signe parce que cela va vous arriver vous aussi. Puisque vous avez désobéi à la parole de Dieu, vous serez, il sera pour vous un signe et vous le verrez. Et il continue, vous ferez exactement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Souvent, le chemin par lequel Dieu fait passer est terrible. Quand tu désobéis, il te fait passer par des chemins difficiles, terribles. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enleverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour t'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard et tu parleras et tu ne seras plus muet, mais tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Ce jour-là, tu ne seras plus muet. Je ouvrirai ta bouche, tu parleras et tu seras pour eux un signe. Frère, Dieu parle par des signes. Il envoie des signes pour avertir, pour prévenir, pour mettre les gens en garde. Qui se souvient de la prédication de Frère Branham, le signal où Jésus est venu? Cette prédication nous dit ceci, très simple. Je prenais quelques-uns et me dis, regardez bien, nous sommes arrivés au temps
où le jugement va frapper la terre, où la vie n'est plus loin. Regardez la moralité des femmes, l'habit, comment elles s'habillent. Faites attention, regardez bien, que ce soit un signe pour vous. La moralité des femmes doit être un signe pour les enfants de Dieu à cette fin des temps. Frère, aujourd'hui, regardez bien. Regardez. Comment les femmes s'habillent-elles? Comment se comportent-elles? Elles boivent plus que les hommes. Elles fument. Il y a des dames qui un jour parlent à un frère. C'est très sale. Et puis, Antoine, dis-moi, je n'ai qu'une seule femme. Tu n'as pas honte de dire que tu es une seule femme? Tu fais quoi avec une seule femme? Elle dit, nous, on ne peut pas se contenter d'un seul homme. Pourquoi un seul homme? Des femmes. Voilà la moralité des femmes aujourd'hui. Elles comptent des hommes qui partent dans leur vie. Pourtant, elles sont mariées. Elles ont le nom de mariée juste pour donner un nom. Ce n'est pas écrit dans Esaïe. C'est pas écrit dans Esaïe. Allons lire. Esaïe 3. Frère, nous sommes arrivés au temps où on doit lire la Bible. Hein. Comment? Esaïe 4, oui. Et cette femme saisira en ce jour un seul homme et diront, nous mangeons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Non, ne nous fais pas dire que nous sommes des célibataires. On ne veut pas seulement porter, on veut pas porter le nom de célibataire. On veut porter le nom de marié. Mais le reste, on s'en occupe nous-mêmes. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice, et par le sou de la destruction. Frère, le temps, nous sommes dans le temps. C'est le verset 7, verset 3, chapitre 3, verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles voient petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, l'Éternel ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets, les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum, les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux, les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans. Et surtout léger, au lieu du parfum, il aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux, bouclé, une tête chauve. Au lieu de large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de la beauté. Des hommes tomberont sous le glaive. Les héros dans le combat, les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assira par terre. Frère, oh, nous regardons, quand tu regardes aujourd'hui Israël, regardez quelquefois un peu comment ça se vit en Israël. Souvent, tu te demandes, mais est-ce les filles de Jacob? Est-ce la descendance d'Abraham? Ces filles, elles ont oublié tout ce qui est de Dieu. Elles imitent l'Occident. Elle trouve même un peu les orthodoxes trop difficiles, trop durs. Parce qu'il y a encore des croyants orthodoxes là-bas. Et il n'y a que la Torah. Le samedi, le vendredi, le jeudi, quand le vendredi, quand samedi arrive là, ils passent dans toutes les rues.
Il dit aux gens, à tel, vous fermez vos boutiques. Les gens ne sont pas connus, mais samedi, là, il n'y a pas de commerce. Vous fermez tout. C'est le Shabbat. Fermez tout. On n'est pas content d'eux. Mais on est prêt à le faire avec. Parce que le maire a besoin de leur voix pour être maire. Hein. Mais ce n'est pas ça. Un temps viendra, frère. C'est pour ça que vous voyez, quel que soit le nombre qui sont là-bas, il n'y a que 144 000. Quel que soit le nombre qui sont là, il n'y a que 144 000. Moi, j'ai un truc ici, hein, quand je vais vous le lire, je vais le lire quand je vais parler de l'un des signes de notre temps, je vais vous le lire ici, dans ce livre. Mais quand vous le lisez ici, là, je vous le ferai voir dans la Bible d'abord. Que vous sachiez, oui, je vous le lis dans la Bible d'abord. Et je vous le lirai comme il a écrit ça. Frère, oui, un signe. Au temps de Noé, avant que le dernier ne vienne, Dieu a donné un grand signe qui a duré 969 ans. Malgré tout ça, les hommes ont continué de corrompre leur vie, leur voie. Le monde a été souillé. Tout a été pollué. Cette semaine, quelqu'un m'a envoyé un test publié par France Info et Le Monde qui nous montre que toutes les eaux vendues par Nestlé sont polluées. Toutes les eaux minérales vendues par Nestlé sont polluées. Les tests ont été faits en 2022, ont été faits cette année également. Tout est pollué. Ce qu'on nous voit ici, Perrier, Vittel, Contresse, tout. Pollué par les pesticides, par les batteries, tout est pollué. On va de dégradation en dégradation, frère. On a tout de partir. La tête de parti. Chrétien, lève-toi. Chrétien, tiens-toi sur tes pieds. Chrétien, lève-toi, lève les mains. Dis au Seigneur, secours-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, prends-moi dans tes mains. Frère, tout est en train d'aller. La pollution gagne partout. Ce que Frère Manon m'a dit par rapport aux voitures, sans chauffeur, aujourd'hui, je crois qu'il y a 800 en Chine qui font les taxis aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de chauffeur. Il y a 800 déjà qui sont en circulation. Tu commandes ta voiture, il arrive, tu donnes ton adresse, il t'amène jusque là, il t'arrête. C'est déjà payé, tu sautes devant. Il n'a pas besoin de chauffeur. Il n'a pas besoin de chauffeur. Ça existe. Vous avez combien dedans? Vous pouvez manger, chanter, danser. La vitesse est limitée à 120. Il ne va pas au-delà. Jean-Marie m'a envoyé ça. J'ai regardé, j'ai cherché. C'est vrai, ça existe. 800 au moins déjà. C'est en test. C'est les mêmes Chinois qui ont fait les taxis volants. Ils ne connaissent pas l'embouteillage. Ils voient quand il y a un embouteillage là, mon cher. Le gars met son truc à l'avant. Et puis il va descendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'Amérique n'est pas d'accord parce qu'il est en train de voler la vedette aux Américains, les Chinois. Frère, quand moi je vois ces choses qui ont été annoncées avant s'accomplir, je dis nous sommes en danger. C'est des signes qui nous ont été laissés. Si on ne fait pas en prenant garde là, nous sommes en danger, frère. De même qu'au temps de Noé, les gens n'ont pas pris garde à ce nom. Là qui est au milieu d'eux, à ce tombe qui est au milieu d'eux, 700 ans à vêtements, rien, 800 à vêtements, rien, 900, 910, 920, 930, 960, jusqu'à 969, ils ont tous péri. Les chrétiens que nous sommes, nous risquons de passer juste à côté de l'enlèvement, si nous ne prenons pas garde. Nous ne nous contentons pas d'être assis. Nous ne nous contentons pas de lire les brochures, nous ne nous contentons pas de lire les signes, nous ne nous contentons pas d'écouter, frère. Le temps arrivé, ces choses sont là pour nous aider à nous lever. C'est pour nous aider à nous lever, pour prendre la position que le Seigneur veut que nous ayons cette année-là. Je dis ça, dans ce temps, plutôt pas cette année, dans ce temps-là. C'est ça le message est venu, frère. Ce n'est pas de faire de nous les messagistes, mais de faire de nous les disciples de Christ, des fils et des filles de Dieu. Conduit par le Saint-Esprit. Marchant dans la parole, obéissant, frère.
Des choses difficiles viendront certainement, mais pour les fils de Dieu, c'est un moment de joie. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas à quel moment je suis. Oh oui, je vous ai pris qu'à 12h36 aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour chanter le sang. Quoi, c'est 182, je crois. Si je ne me trompe pas, on va chanter 182. Oui. Mon Dieu, plus près de toi. On se lève ensemble. On va chanter 182. Et puis prier. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde. Arrêtez un temps. Comment vous avez terminé ça? Comment ça vous avez terminé ce chant-là? Comment vous avez terminé? Chantez-le, je vois. Je vous ai dit que je vous écoute. Hein. Chantez. Mon Dieu, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve. Vous avez dit comme un fleuve. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Pas comme un fleuve. Non, non, non. Faut entendre, faut chanter. Vas-y. Toi, tu sais chanter. Le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. On reprend le jour. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Deuxième couplet, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur. Tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi plus près de toi, plus près de toi, toujours. Plus près de toi, donne-moi ton secours. Donne-moi ton secours. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu,
Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi. Dans le désert, j'ai vu plus près de toi. J'ai vu plus près de toi. Ton ciel ouvert. Ton ciel ouvert. Les reins, bon courage, ton chant brave, l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Prions ensemble, ensemble parlons au Seigneur simplement. Parlons-lui, prions. Notre Père céleste, nous te rendons gloire et grâce et nous te célébrons. Nous te louons, te magnifions, ô notre Dieu et notre Père, pour tout ce que tu fais pour nous. C'est vrai. Tu nous as donné ce matin d'être là, de rester dans ta présence jusqu'à cette heure-ci, d'apporter ta parole comme conduit par ton esprit. Gloire, honneur et louange à toi. Oh, que les signes que tu donnes aujourd'hui attire notre attention. Ceci nous permet de prendre garde, notre Dieu, notre Père. Si ton serviteur l'a dit, qu'aujourd'hui, la conduite des femmes dans la population, dans les nations, est un signe que, Père Tout-Puissant, la venue du Seigneur n'est pas loin. Oh, donne de prendre garde à cela, de faire attention. Père, de crier à toi, de rester dans ta présence jusqu'à ce que tout change, afin que nous voyons ta main dans notre vie. Bénis tes enfants, Seigneur, bénis-nous. Soutiens tes enfants que nous sommes. Change notre attitude, notre comportement, notre mental, notre Dieu. Et purifie-nous. Le temps est venu de faire de nous des saints. Parce que tu es saint, nous devons être saints aussi, Seigneur. Accorde-le, Père. Alors que les temps sont en train de filer vers la fin, donc d'être prompt dans tout ce que nous faisons, de faire ta volonté seule. Gloire et honneur à toi. Louange et magnifique. Accorde-le-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Père céleste, merci pour ce court instant que tu nous as donné de passer dans ta présence. Fasse que ces différents signes dont nous parlerons pour nous-mêmes attirent notre attention. Et que nous puissions prendre garde, ne pas faire comme au temps de Noé. Oh oui, c'est vrai, les gens n'ont pas fait attention également au temps de Sodome et Gomorre. Même quand tu envoies des anges là-bas, même les, on pourrait dire, les enfants de Lot, ces gendres n'ont pas pris garde à ce que leur beau-père leur disait. Ils l'ont pris comme quelqu'un qui est présenté à ce jour-là. Cependant, oh, ils ont vu des hommes rentrer. Ils sont précipités vers les portes. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient aveugles, même pas ouvrir la porte. Ils ont crié. Et cependant, Job et Lot a pu sortir de sa maison, aller dans la rue, aller dans la maison, parler à ses gendres. Mais ils n'ont pas compris que c'était un signe qui arrivait parce que tu annonçais la destruction. Seigneur, aide-nous aussi à ne pas être comme ces gens-là. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux. Ouvre notre entendement, afin que nous voyons ce que tu fais, afin de nous laisser conduire dans le chemin de la justice, dans la droiture. La Bible dit que tu mettras une règle pour nous aujourd'hui. C'est vrai. Que la justice soit la règle également aujourd'hui. Que la droiture soit comme ce que tu as appelé, que les maçons aiment utiliser. Oh Dieu, oh Père, le niveau. Oui, c'est vrai. C'est le temps où nous devons faire attention à toutes ces choses que nous annonçons auparavant. Bénis tes enfants que nous sommes, alors que nous allons nous séparer pour revenir tout à l'heure. Seigneur, conduis-nous simplement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.